Bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce lancement d'Insight. Je passe la parole tout de suite. Merci d'avancer un petit peu ici. Voilà. À Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l'Espace, et puis à Philippe Lier, qui est responsable des programmes scientifiques du CNES. Jean-Baptiste Desbois. Oui, bonjour à tous et à toutes. On a dû patienter un tout petit peu, mais ça sont les aléas du direct, hein, puisqu'on va rejoindre tout de suite, dans quelques minutes, Vandenberg, hein, d'où va se passer en Californie donc le lancement. Donc, bienvenue à vous tous et toujours très agréable de vous retrouver à la Cité de l'Espace pour une opération menée avec le CNES. Avec le CNES et membre fondateur de la Cité de l'Espace, donc c'est toujours un très très grand plaisir de partager avec le CNES des événements comme ceci, et on en partage évidemment tout au long de l'année avec le public. Voilà. Je ne vais pas citer les personnalités présentes, etc. Vous êtes, c'est intéressant de vous voir tous réunis aujourd'hui à la Cité, et je salue ceux qui nous suivent, en l'occurrence par Internet, sur les sites de la Cité de l'Espace, sur la web du CNES et sur les réseaux sociaux. Mais je voulais saluer un invité un peu exceptionnel aujourd'hui, c'est Tim Tony, qui est le représentant de la NASA à Paris, et qui nous fait le plaisir. Tim, it's a very high pleasure for me to welcome you à la Cité de l'Espace again. Hein, Tim Tony, on peut l'applaudir, Tim, donc, qui est donc représentant de la NASA. Ça va être exact, c'est une... Merci, Tim. Thanks a lot for you. La NASA, évidemment, c'est une mission de la NASA dans laquelle le CNES, on va en parler tout le matin, est très, très impliqué. Alors, c'est dans l'ADN, en fait, de la Cité de l'Espace de faire vivre, hein, au public tout au long de l'année l'actualité spatiale, l'avancée de la science, mais également aussi l'excellence de la filière internationale, européenne, mais française, évidemment, aujourd'hui, avec le CNES. Donc, on est vraiment au cœur de cela. Voilà, donc bienvenue à vous tous, à vous toutes, toute la Cité mobilisée, pour les visiteurs également, et des animations partout, sur les murs d'images, sur les écrans de la Cité de l'Espace. C'est tout à fait important de partager ça, parce que c'est un grand moment. On va le vivre avec nos martiens de service, on verra tout à l'heure des gens comme Sylvestre et autres venir nous rencontrer. Et vous avez vu Elysium, donc la maquette d'Insight, hein, qui fait écho à Curiosity. Ça nous fait très plaisir de voir Elysium, cette maquette installée chez nous. Et puis, bon, on se prépare pour d'autres missions martiennes ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Lier, directeur des programmes scientifiques du CNES. Merci à tous les deux. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au nom du CNES. On est vraiment content de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour cet événement majeur qu'est le lancement d'Insight. Alors, bien sûr, je veux à mon tour aussi remercier la Cité de l'Espace qui nous accueille dans de ces très bonnes conditions, puisque cette salle est magnifique, va être parfaitement adaptée à la retransmission de cet événement. Donc, merci bien sûr à la Cité de l'Espace. Tout le monde sait que Insight, c'est une coopération de premier plan entre la France et les États-Unis. Et je veux moi aussi saluer la présence de Tim, hein, bon, on l'a déjà applaudi, mais qui est le représentant en NASA en France et qui nous a fait l'honneur d'assister à cet événement ici à Toulouse. Alors, Insight, c'est bien sûr un événement. Le lancement d'Insight, c'est forcément quelque chose d'atypique, d'extraordinaire sur bien des plans. C'est une mission qui part vers Mars, donc c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. C'est une première pour plein d'aspects. C'est une première puisque c'est le premier tir vers Mars depuis la Californie. C'est la première fois qu'une fusée partira depuis Vandenberg vers la Californie. Et ça, on va le vivre en direct. Vous allez le vivre avec nous en direct. Et puis, c'est la première fois aussi qu'on va avoir sondé l'intérieur de Mars, c'est-à-dire avoir des mesures non plus uniquement de la surface, mais vous le verrez aussi, ça sera longuement expliqué tout à l'heure, de l'intérieur de la planète, et ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Alors aujourd'hui c'est un événement majeur, mais c'est ni le début ni la fin de l'histoire d'Insight et de SAIS, hein, le capteur que la France fournit et qui est la mission principale d'Insight, puisque cette aventure, bon, l'aventure de la sismométrie martienne date d'il y a très longtemps, mais enfin l'aventure SAIS a démarré en 2012 lorsque la NASA a choisi la mission Insight avec le sismomètre français, et ça, on en est très très fiers, puisqu'on sait que la NASA ne choisit que des partenaires de premier rang. Ensuite, on va avoir le lancement aujourd'hui, qui est un événement majeur, mais derrière, il y aura, je vous rappelle, 7 mois de croisière pour rejoindre la planète Mars, un atterrissage sur la planète qui est toujours quelque chose de spectaculaire et d'extrêmement difficile, puisqu'il faut réduire les vitesses, aller se poser en enchaînant un freinage atmosphérique, un parachute, des rétrofusées, avant de poser la plateforme que vous avez vue à l'entrée, délicatement sur le sol, puis déployer l'instrument, et ensuite on pourra démarrer l'exploitation, c'est-à-dire les premières mesures scientifiques, et ça on espère bien le faire pendant au moins quelques années, si tout va bien. Alors, je vous l'ai dit, on est très très fiers de travailler avec la NASA sur le projet, et de participer avec eux,
que ce soit le CNES et toutes les entreprises qui ont été impliquées dans cette affaire, de participer avec eux sur une aventure aussi, aussi riche. Donc Insight et SAIS, c'est une aventure à bien des titres, c'est une aventure technologique, vous le verrez, c'est un capteur. C'est un capteur extrêmement sophistiqué qui a été développé pendant de longues années, mis au point pendant de longues années pour résister à tous ces environnements et donner des mesures de très haute performance. C'est une aventure scientifique aussi, puisqu'on va acquérir des mesures complètement inédites sur la structure interne de la planète et on est sûr qu'on va apprendre énormément de choses. Et puis, c'est surtout une aventure humaine, puisque forcément, il y a la coopération avec le JPL, mais il y a aussi, et vous en faites tous partie, plus ou moins directement, des gens qui se sont investis très largement pendant de nombreuses années, avec des moments d'enthousiasme et puis des moments plus difficiles, vous le savez, dans ce projet, qui ont beaucoup donné. Et je voudrais remercier toutes les équipes qui ont contribué à ce projet, qu'elles soient CNES, IPGP, donc le laboratoire qui est à l'origine de la définition de ce senseur, ou Soderne, l'industriel parisien qui a réalisé ce senseur, donc toutes ces équipes de premier plan, mais aussi tous ceux qui, toutes les autres sociétés qui ont contribué à nous aider, à nous accompagner, tous nos partenaires qui nous ont aidés à faire aboutir ce projet. Alors, pour terminer, je voulais juste vous donner quelques nouvelles depuis Vandenberg, puisqu'on a, on a bien sûr pas mal de personnel qui sont là-bas, qui nous disent que tout va bien pour l'instant. Il y a beaucoup de brouillard, mais ça ne devrait pas remettre en cause le lancement. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Il me reste à vous souhaiter de passer un très bon moment ici en notre compagnie. Vous verrez que les équipes en charge ont organisé un événement qui est, à mon avis, passionnant, très riche, avec beaucoup de d'interventions et de films qui sont vraiment passionnants. Dans cette grande salle, par moment, vous aurez l'impression qu'on quitte la réalité pour être dans la science-fiction, mais non, on est vraiment dans le monde réel et c'est ça qui est passionnant. Donc je vous remercie tous et je vous souhaite à tous de passer un très bon moment ici. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, je voulais remercier aussi parce qu'on était un peu comme de votre côté avec tous les collègues, les scientifiques, les ingénieurs qui actuellement travaillent sur ce, qui ont travaillé sur Insight, parce qu'on peut dire que maintenant, ils laissent les choses se faire avec un lancement qui devra faire attention à cette sonde qu'on espère en bonne santé une fois qu'elle aura été lancée. Mais en tout cas, on voulait remercier aussi tous ceux qui, dans l'équipe de la communication du CNES et dans l'équipe de communication de la Cité de l'Espace, ont permis de monter ce projet. On est très nombreux, on est aussi là une équipe entière. Et je trouve que ça a été très intéressant, très riche aussi, parce que, eh bien, on ne sait pas très bien quand enfin, la période de tir, le lancement, 2 heures aujourd'hui, tout ça, c'est un peu compliqué. Puis, malgré le brouillard, il semble qu'il y ait de bonnes chances que ça marche. Donc je vais vous demander merci d'être présent. On va suivre ça en direct avec un programme qu'on espère finalement le plus court possible peut-être et réussi.
parce qu'ils nous ont toujours surpris. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour ceux qui auraient pu déjà nous apercevoir, mais enfin cette fois c'est parti. Donc nous sommes bienvenus pour ce programme spécial à l'occasion du lancement prévu dans quelques minutes si tout va bien, mais je peux vous dire déjà que la météo est passée au vert il y a quelques secondes, de la sonde de la NASA InSight. Bienvenue à ceux qui sont ici, bien sûr, à la Cité de l'Espace à Toulouse, où évidemment de nombreux chercheurs sont intéressés par ce qui se passe ici et ingénieurs. Aussi, et bien sûr, à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux, sur le site du CNES, le site de la Cité de l'Espace, ceux qui nous relaient sur les réseaux sociaux. À bord d'InSight, l'instrument principal de la mission a été réalisé par le CNES. L'agence spatiale est le partenaire principal de la NASA. Après la place que le CNES a pris pour Curiosity, évidemment, est imminente, celle qu'elle a pris sur Philae, qui s'est posée sur une comète, le CNES récidive en quelque sorte, avec SEIS, S-E-I-S, cet instrument extraordinaire dont on va vous parler tout au fil du programme. Philippe Laudet, qui va co-animer avec moi ce programme, est le chef de projet SEIS, c'est pas rien, du CNES. Bonjour. Philippe Laudet, qu'on applaudit. Qui est complètement désarmé, en fait, aujourd'hui. Voilà, tout à fait impuissant. On est spectateur. En même temps, ça nous change, on va dire. Parce que je tiens à mon tour à saluer, bien évidemment, nos collègues de Soderne, qui organisent également un événement en ce moment. Donc, peut-être qu'ils nous suivent ou qu'ils nous entendent. Mais en tout cas, ils sont en région parisienne. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, il y a des collègues de l'Institut de physique du Globe qui n'ont pas pu prendre l'avion, qui sont restés à Paris. Je les salue s'ils nous écoutent. On va y revenir. Simplement, on a un message important. C'est celui du président du CNES, Jean-Yves Le Gall, qui a enregistré un petit message. Merci de ne pas applaudir ceux qui gênent côté son, la régie. Merci. Voilà le président du CNES qui est présent là-bas à Vandenberg et qu'on aura peut-être de ses nouvelles aujourd'hui, on verra. La fenêtre de lancement donc s'ouvre à 13h05, c'est-à-dire que normalement le décollage doit avoir lieu à 13h05. On a parlé de météo, mais elle est au vert. C'est 4 heures en Californie, donc il est très très tôt. InSight est placé dans la coiffe actuellement du lanceur. Absolument, depuis le 23 avril. La coiffe du lanceur, c'est un Atlas V, c'est une fusée extrêmement puissante. Et nous devrions avoir une séparation d'InSight à peu près 1h33 après le décollage, donc vers 14h38. Chaque jour, la NASA peut avoir 2 heures pour lancer, avec un léger décalage tous les jours, mais 2 heures. Donc on a une fusée très puissante qui nous permet d'avoir des heures, un départ vers Mars, un peu quand on veut, quoi. C'est un peu une navette. Enfin, quand on veut, jusqu'au 8 juin. Après le 8 juin, la fenêtre se referme et Mars est trop loin, on ne tire plus, il faut attendre 26 mois. Alors bien sûr, on va privilégier, oui, alors 26 mois c'est beaucoup, d'autant qu'on les a déjà passés puisque on a réglé quelques soucis techniques qui ont fait que la fenêtre a été reprise dans ce créneau-là martien. Nous avons ensuite, nous allons privilégier bien sûr le live et n'hésitez pas en régie bien sûr à positionner les images qui nous parviendront de Vandenberg en Californie pour pouvoir que vous ayez une vision déjà d'ores et déjà, même si on va y aller tout à l'heure, de ce qui se passe là-bas et du temps qu'il fait et de la fusée, de cette belle fusée qui doit être sur son pas de tir.
Donc le temps est toujours vert, je peux vous le dire, et donc nous allons... Alors ce qui peut se passer, c'est que le programme pourrait être interrompu si jamais il y avait un report de tir, ce qui est pas du tout certain, mais s'il y a un report de tir, le programme pourrait être interrompu. Il sera toujours possible, bien sûr, de suivre ce lancement, puisqu'on continuera toute la journée jusqu'à cette fenêtre de 2 heures à vous informer. Et donc c'est une possibilité qui existe et on vous informera au fur et à mesure de ce qui se passe. Enfin, si on voit la fusée décoller, ce sera terminé, on sera tranquille. Après, il faut que ça marche. Le lanceur Atlas V, il a été utilisé déjà, il permet de lancer des charges très importantes, dont Curiosity d'ailleurs, qui a été lancé par ce lanceur. InSight, là, a une masse au départ de 720 kg, c'est une petite sonde en fait, hein, 720 kg au total. Et le lander lui-même, donc la partie atterrisseur qui se pose, pèse 300 et quelques kilos. Oui. 360 kilos, quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'est une petite sonde avec un bon lanceur. Et un lanceur qui fait à peu près 333 tonnes. Donc le lanceur a une masse qui n'est pas si gigantesque parce qu'il n'y a pas de booster. Par contre, il a une poussée de 425 tonnes. Donc il y a une différence, hein, heureusement. Heureusement, sinon il ne décollerait pas. C'est pour ça que ça décolle. Par contre, vous verrez, si vous le voyez, c'est que ça décolle très lentement. Parce que le rapport poids-puissance au départ est très faible. Donc en fait, il y a un peu moins de 100 tonnes de différence. Et ça vient aussi du fait qu'ils n'ont pas équipé ce lanceur de booster à poudre, qui en général donne une impulsion au départ assez conséquente. Il part assez lentement, effectivement. Par contre, cet étage, ce premier étage principal, qui fonctionne avec du kérosène et puis un comburant, de l'oxygène liquide, c'est un étage qui va durer très longtemps, contrairement à la plupart beaucoup de lanceurs qui ont des premiers étages qui s'arrêtent au bout de 2 minutes, hein, qui permettent de lancer le second, en quelque sorte. Et bien celui-là dure longtemps, il dure 4 minutes. Par contre, il est très précis, on espère. En tout cas, ce lanceur a toujours parfaitement fonctionné. J'espère, voilà, ce que j'avais mis ça. Ensuite, c'est tout à fait particulier parce que cette fois, au lieu de lancer depuis la Floride, bien donc, on lance depuis Vandenberg en Californie. Alors ça, c'est dû à un changement de lanceur, je crois. Hein. Alors, on soupçonne que d'abord, la raison officielle, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de place du côté de Cap Kennedy, ça se bousculait un peu pour les lancements. Et en même temps, ce n'est pas tous les jours que cette base de Vandenberg, qui en général tire que des missions militaires, un petit peu dans le silence et la discrétion, peut tirer depuis la Californie une mission vers Mars. C'est la première mission interplanétaire tirée depuis là. Et comme le JPL, qui est le centre NASA où on fait le plus de missions interplanétaires, est en Californie, bah, toutes les familles et tous les gens qui travaillent sur ces missions-là, pour la première fois, vont voir un lancement tout près de chez eux. Alors, on a un petit info de problème de télémétrie sur le lanceur avec un rouge qui s'est allumé, mais qui serait en cours de résolution. À ce stade, on peut avoir 2 types de rouges. On peut avoir les rouges météo. Bon, là, il était vert il y a quelques minutes. Et on peut avoir des rouges lanceurs. Voilà. Sachant que, donc, comme vous l'a expliqué Philippe, on a 2 heures pour tirer aujourd'hui. Sinon, c'est demain. Et sinon, on a en fait 35 occurrences jusqu'au 8 juin. Il faut savoir que la base de Vandenberg, couplée au type de lanceur, annonce une statistique de 98% de tirs réussis dans les 2 premières occurrences. C'est-à-dire entre aujourd'hui et demain, on a 98% de chances d'avoir tiré. Voilà, donc il faut savoir qu'évidemment, en ce moment, quand on regarde la chronologie lanceur, on est vraiment dans les toutes dernières phases, hein, puisqu'il y a eu justement un briefing du temps qui a été plutôt bon, puisque là, il y avait des soucis, mais ça a été bon. Par contre, on a un problème de télémétrie donc, qui va, j'espère, être résolu. On va voir ça, puisque dans quelques minutes, on sera là-bas. N'hésitez pas à nous montrer des images si vous en avez, en tout cas en fenêtrage. Et ensuite, ici, ce qui se passe sur le lanceur, en gros, c'est toutes les vérifications en fait, des pleins, de l'autonomie des puissances. On vérifie tout, hein, jusqu'à la séquence qui sera une séquence automatique qui dure 4 minutes. Donc, en général, on tient le compte à rebours à 4 minutes. Et puis ensuite, quand il est parti, eh bien, quand on le relance, eh bien, c'est automatique et normalement, il n'y a pas d'arrêt, sauf un arrêt technique qui fait qu'on a contrôlé quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Il faut savoir que pendant ces 4 minutes, tous les paramètres qui sont contrôlés de façon automatique ont une fourchette dans laquelle les valeurs retournées doivent être comprises. S'il y a un des paramètres critiques qui sort de sa fourchette, le rouge apparaît. Voilà. Donc pendant les 4 dernières minutes, tout est vérifié
jusqu'au vert. Donc, ce qu'on peut dire après le tir, c'est que le lanceur part vers le sud. Hein, donc, si vous regardez la carte des États-Unis, il va partir vers le sud-ouest. Donc, il va pas survoler, mais il sera visible depuis toute la côte ouest des États-Unis. Il va aller passer au-dessus du pôle sud. Et puis, au bout de 15 à 20 minutes, ils vont éteindre le moteur. Il y aura une phase balistique d'une heure. Voilà. Et au bout de cette heure-là, quand il va passer de l'autre côté de la Terre, il ne fait pas une orbite complète. Ils vont rallumer le deuxième étage pour donner l'impulsion définitive, pour s'arracher à l'attraction terrestre et partir à une vitesse de l'ordre de 11 km par seconde, plus de 40 000 km/h, vers Mars. Et c'est cet instant qu'on attendra pour avoir la confirmation, après le largage d'InSight, qu'on est bien parti pour Mars. Pour info, le lanceur est sur la puissance interne. Donc actuellement, ça veut dire que la chronologie continue. La chronologie continue pour le moment. Donc on attend les images de Vandenberg, dès qu'elles arriveront. Et il faut savoir que ce lanceur a lancé rien moins que MRO, qui est une sonde spatiale en ce moment autour de Mars et qui fait des miracles. Curiosity, en 2011, ce lanceur encore a fait un sans faute, avec aussi Maven, un satellite aussi autour de Mars qui s'occupe d'atmosphère. Ça a lancé aussi New Horizons, cette sonde qui est partie vers l'extérieur du système solaire et qui va arriver le 1er janvier 2019, qui doit arriver dans la ceinture de Kuiper. Vous savez qu'elle est passée près de Pluton avec des résultats extraordinaires quant à la connaissance scientifique de Pluton. On a aussi Juno, la sonde vers Jupiter. On a aussi Osiris Rex, qui est une sonde spatiale vers les astéroïdes. Et tout ça avec aussi d'autres lancements qui se sont très bien passés. Donc, sur NASA TV, on voit le lanceur. Donc, c'est une belle image parce qu'il fait nuit là-bas avec du brouillard. Donc, ils sont en attente. J'ai des messages de l'équipe qui est sur place qui nous dit que l'ambiance est bon enfant. Ben voilà, ça, c'est le centre de contrôle. Ce n'est pas l'ambiance bon enfant. C'est pas pareil. On reconnaît Tom Hoffman, le chef de projet InSight, qui était dans la salle de contrôle. Vous venez voir. Voici le lanceur. Donc, effectivement, avec ce brouillard qui donne une image un petit peu pour artistique. Une fois, la chronologie n'est pas affichée du lanceur, mais on est à 6 minutes. Donc on va savoir si on est dans la tenue du compte à rebours à moins 4, juste avant la séquence synchronisée. Vous voyez qu'elle est dans la météo est bonne, mais pas pour tout le monde. Oui. Mais l'important, c'est le lanceur. Et je rappelle qu'il est 4h05 du matin pour eux. Ça veut dire, si j'ai bien suivi, que InSight est complètement autonome, il est complètement sur son... Oui. Dans l'instant que tu as signalé tout à l'heure, c'est qu'en fait, on arrête de l'alimenter électriquement par l'extérieur et il s'alimente lui-même par ses batteries, quoi. C'est quelques secondes en général avant de... Alors, ils sont go sur tous les paramètres. Ils sont go pour lancement. Donc, le compte à rebours, là, je ne sais pas, il est... Eh bien, on est à 5 minutes. Donc, ça veut dire qu'on est dans la tenue du moins 4, enfin, en attendant des informations visibles. Mais en tout cas, on doit être dans une tenue du compte à rebours à moins 4 minutes. Tout est OK a priori. Tout va bien. On continue à suivre. Vous voyez ici donc ce lanceur qui n'a pas de boosters latéraux, mais qui est très élevé. Hein, c'est à peu près un lanceur qui fait 53 mètres. C'est pas très éloigné de la fusée Ariane, mais par contre, c'est beaucoup plus fin, un peu moins lourd. Il y a ensuite un étage particulier qui est au-dessus, qui s'appelle l'étage Centaure, qui est un étage dont on va parler au fil du programme, si ça décolle bien. C'est un étage très important, très intelligent, et qui pousse avec un moteur d'oxygène, oxygène liquide, hydrogène liquide, très puissant, qui est d'environ 10 tonnes de poussée. Là, déjà, on est dans des poussées beaucoup plus raisonnables, mais qui permettent d'aller finement mettre le lanceur ensuite sur sa trajectoire. Voilà, c'est lui qui injecte InSight. Et quand InSight se sépare, c'est qu'il a la bonne vitesse pour aller et la bonne trajectoire. Rappelons qu'une minute, puis une autre minute après le largage InSight, il va larguer également deux nanosatellites qui s'appellent Marco A et Marco B, qui vont suivre InSight avec une certaine distance jusqu'à Mars. C'est la première fois qu'on envoie des nanosatellites vers une autre planète. À 3 minutes, on est normalement en pression de vol, c'est-à-dire tout le lanceur est en pression, puis rien n'est complété. Voilà. Et les deux petits nanosatellites vont aider à retransmettre les télémesures au moment de l'atterrissage. Ils seront derrière, ils serviront de relais éphémères, mais très importants pour donner des données complémentaires vers la Terre pour bien suivre la phase de rentrée le 26 novembre. Reprise du compte à rebours à 3:50. Donc on doit être dans le moins 4 minutes. On doit être 3:50. Peut-être c'est le moins 4. Le compte à rebours n'est pas affiché sur NASA TV. Voilà. Voilà, 3:50, 3:49. Donc là, on a un compte à rebours. On sait bien la séquence synchronisée, vous voyez, qui part. Alors, on parlait de 4 minutes, mais apparemment, on était à 3:50. Mais
Et vous voyez donc ce lanceur, vous voyez au-dessus, lors de la petite lumière qui est en haut, là, qui est en dessous de la coiffe, vous avez l'étage Chantor. Là, c'est la coiffe avec InSight à bord, qui est retournée. Hein. Il a déjà les pieds tournés vers Mars, là. Il est déjà prêt, là. Oui, il faut imaginer que Mars, c'est le plafond, et l'atterrisseur a donc la tête en bas, prêt à déployer les pieds directement pour les poser sur le plafond. Alors, le plafond, c'est Mars, donc ce n'est pas exactement la même chose, mais ça implique néanmoins que notre instrument, notamment le sismomètre, a la tête en bas au moment du décollage. C'est une contrainte qu'on connaît depuis le début, mais qui nous a, contraint dans la définition des suspensions qui tiennent le sismomètre pour le protéger des vibrations du lancement. Voilà, gardons le cartouche pour pouvoir suivre. Je vais vous indiquer ce qui se passe. Donc là, on est de nouveau sur les pressions avec les derniers contrôles de pression. On attend ensuite que l'ensemble des systèmes de contrôle soient autonomes et en automatique. Tout n'est pas encore complètement autonome, mais ça ne va pas tarder. Sachez que pour la séquence d'allumage, les deux énormes moteurs, certains parlent d'un, d'autres de deux, mais il y a deux tuyères. Ces deux moteurs mettent à peu près 2,7 secondes à se régler, à vérifier leur bon fonctionnement. Et finalement, lorsque le bon fonctionnement à moins une seconde du lancement est parfait, c'est automatique, ça part toujours, ça partira. Par contre, dans ces troisième seconde, deuxième seconde avant le lancement, il peut y avoir justement un problème moteur. Mais s'il n'y en a pas, ça part. Et la séquence d'allumage commence 6 secondes. Avant. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais j'imagine que oui, il n'y a pas 36 techniques, mais je sais que les lanceurs Ariane sont tenus par des mâchoires et qu'on ne les libère qu'une fois qu'on est certain que la pression des moteurs est la bonne. Donc là, c'est à peu près la même chose qui permet, comme on dit, entre guillemets, d'avorter un tir si par malheur, après avoir allumé les moteurs, les pressions ne sont pas bonnes, on soupçonne un problème moteur, donc cela, on le retient, il ne décolle pas. Je m'imagine que les Américains ont des techniques analogues. À partir du moment où vous allez voir le lanceur décoller, c'est que tous les paramètres... Séquence automatique en cours. On doit être autonome et tout est parti, là. Donc il faut encore meubler 30 secondes, puisqu'à une minute, on vous laissera regarder avec concentration la fin du compte à rebours. Donc Philippe, je te laisse pour les 25 dernières. Pardon. Non. En fait, simplement pour dire que Mars, Mars est à 485 millions de kilomètres pour InSight. Là. Il a un parcours d'un demi-milliard de kilomètres à faire. Là. Voilà, je pense qu'à partir de maintenant, on va peut-être... On écoute. Écouter et regarder. Rock, report range status. Tout est bon. Rock, range is green. And we have just heard confirmation that the range is green. After launch, we'll be hearing the voice of United Launch Alliance's Marty Malinowski. He'll provide it. Status of the flight of the Atlas V and NASA's InSight. Minus 40 seconds. We are listening in to stable the final minutes three. Of the countdown. Minus 28 seconds. 25. Go status Atlas. Check. Go Atlas. Go Centaur. Go InSight. We're at T-minus 15 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. And liftoff of the Atlas V, launching the first interplanetary mission from the West Coast. And NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. On est tous heureux, on peut peut-être encourager, on va suivre le vol, on peut encourager la fusée en peut-être en faisant un applaudissement, un seul, c'est pas fini, hein, mais un applaudissement pour... Pour encourager le lanceur, propulsion nominale, le lanceur s'est retourné pour se diriger vers le sud, il va longer la Californie. Vous savez que 10 millions de personnes sont peut-être en train de regarder du côté de Los Angeles. Ce que vous voyez là est une caméra sur le lanceur. Voilà, une caméra sur le lanceur. On va avoir Mach 1 à 1 minute 17, c'est-à-dire que c'est un lanceur qui part doucement
et qui va passer le Mach à 1 minute 17. On n'a pas le décompte, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez le décompte, à nous le donner, 1 minute 17. Sinon, il faut changer la fenêtre et nous enlever si jamais elle est derrière. Alors, pour info, depuis le site là-bas, ils ne voient plus rien, mais ils entendent encore le bruit du lanceur. Voilà. Vous voyez mieux que les gens qui sont à Vandenberg. Donc à 1 minute 17, et on attend 1 minute 27, la pression maximum. Et à 1 minute 27 après le lancement, c'est la pression maximum, c'est-à-dire le moment où le lanceur pousse énormément, mais dans une atmosphère encore très lourde et très dense, et la pression est maximum par rapport à ça, et ensuite on passe derrière. D'accord, donc un étage qui continue pendant 4 minutes, ça c'est peu courant, en tout cas pas pour cette fusée, mais assez peu courant, donc c'est un étage qui va... On devrait... Dans une minute, visuellement, observer l'extinction. Oui, je pense qu'on va le voir. Dans une minute, on va couper. Donc tout s'est bien passé pour ce qui concerne. La coiffe est séparée après. Hein. Pour l'instant, la coiffe n'est pas... Insight n'est pas encore dans l'espace. Il y a encore une trop grande densité atmosphérique pour ouvrir la coiffe et exposer Insight au vide. Ils attendent qu'il n'y ait plus de pression atmosphérique pour ça, plus d'air. Donc ce sera l'étage Centaure qui ensuite se mettra en route pour pouvoir continuer la mise en orbite basse. Hein. Là, pour l'instant, on est en train de prévoir la première phase de lancement qui arrive à peu près à 27 000 km/h. Donc on est déjà, vous voyez, on sera tout à l'heure, disons dans un quart d'heure, à 27 000 km/h. Pour l'instant, on n'y est pas. On doit être du côté de 6 000 ou... Donc on va bientôt avoir cette séparation qui dure 6 secondes. On est passé au-dessus de 30 miles, c'est-à-dire à peu près 55 km d'altitude. Là, il y a encore 90% d'atmosphère. À partir de 60-65, on sera à 99% d'atmosphère disparue. C'est quasi vide. Et c'est pour ça qu'une fois que l'étage Centaure sera allumé, on pourra larguer la coiffe. Pour être moins lourd. Tout ça étant automatique. Donc on va certainement voir préparation, coupure. Coupure confirmée, donc séparation confirmée. Voilà. Confirmation de l'allumage de RL10. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est le deuxième étage. Ça, c'est le deuxième étage. Le premier va retomber dans le Pacifique au large de la Californie. Largage coiffe. Donc maintenant, ça y est, Insight, les pieds en l'air et tourné vers Mars et dans le vide spatial. Vous voyez une simulation ici. Et vous avez voilà, des informations en haut à gauche qui vont pouvoir vous aider à suivre. Alors on dit qu'il est tourné en l'air, mais voyez, il est enfermé dans une capsule et le bouclier thermique qu'il protégera de l'échauffement en rentrant dans l'atmosphère martienne, c'est la partie claire que vous voyez devant. Hein. Alors cet étage va durer pendant quelques minutes. Ça, c'est très, très important parce qu'à ce moment-là, Insight sera en orbite avec son étage. Hein, l'ensemble va rester cohérent pour faire un tour de Terre, un quasi-tour de Terre. Ce n'est pas tout à fait le tour de la Terre. On vous le décrira. Vous voyez en bas à droite une cartouche avec la direction de la Californie. Donc maintenant, on va commenter ce qui se passe grâce aux images de la NASA. Et on voit bien là que tout a l'air d'être nominal avec... une poussée qui semble bonne. Évidemment, ce sont des images de synthèse, mais elles sont généralement représentatives de ce qui se passe en réalité. Vous avez la télémesure en haut à gauche, donc c'est un petit peu caché, mais on voit... La vitesse, c'est 11 000 miles hour. Hein. C'est des miles hour, donc il faut multiplier par un petit peu moins que doubler. Donc on a une altitude de 115, donc là, on est vraiment dans un... L'orbite visée, c'est 185 km. Là, le satellite va viser la partie pôle sud, il va vers le pôle sud, en tout cas vers le sud de l'Amérique du Sud. On voit bien, sur la frise que vous avez dans la partie supérieure de l'écran, l'avancement
du lanceur, hein, par surtout le parcours jusqu'à la confirmation. Alors, vous voyez que l'étage Centaure, donc c'est de l'oxygène liquide, de l'hydrogène liquide. Donc, ce qui sort là, c'est de la vapeur d'eau, en gros, un peu rapidement, mais c'est de la vapeur d'eau. Oui. Et ça pousse une dizaine de tonnes. Donc, évidemment, l'étage, il y a énormément de calculs qui font qu'avec l'étage se vide de ses carburants et comburants. Donc, en quelque sorte, la poussée augmente en général. Je ne sais pas si on l'a, la poussée, mais on ne l'a pas là. Mais la poussée augmente. Et tout ça est un calcul fait pour arriver en orbite à 185 km d'altitude au moment où il y aura un arrêt moteur et où on retrouvera à peine une heure après, un réallumage de ce moteur. Qui évidemment est essentiel, sinon InSight restera quelques jours autour de la Terre. Bon, c'est une période où les sous-systèmes et notamment la charge utile dont nous faisons partie sont soumis à d'intenses vibrations et des accélérations pour lesquelles on a pris toutes les précautions pour les protéger, hein, mais c'est effectivement quand même néanmoins un moment un petit peu angoissant. Sachez qu'on va rallumer SAIS pour vérifier que les courants électriques sont toujours bons le 16 et le 18 juillet, ainsi que le 6 août, pendant qu'il sera sur son trajet. Confirmation de la bonne tenue des paramètres de lancement. Voilà, on a vérifié 10 jours avant le tir que tout était bon pour SAIS, ce qui a donné le go, pour le lancement concernant SAIS. On vérifiera courant juillet, donc on aura, je pense, j'espère, de bonnes infos montrant que, en tout cas, au niveau de paramètres mesurés, il n'y a pas de séquelles du tir. De toute façon, il ne devrait pas y en avoir, mais c'est des choses qu'il faut néanmoins toujours surveiller. Alors, c'est une des choses que je voulais savoir. C'était qu'actuellement, on n'a pas de personnel, par exemple CNES ou NASA, qui travaille sur InSight en ce moment-là. Ils vont travailler après la séparation. Voilà. D'accord. Et pendant toute la phase de croisière, on travaillera depuis le CNES. On ne va pas se déplacer, on recevra les données de ces trois tests dont j'ai parlé, on les observe depuis le CNES. Par contre, on saura tout à l'heure, hein, j'espère qu'on le vivra ensemble en direct, on saura tout à l'heure que ça se passe bien et que InSight, avec son ensemble de véhicules de croisière, a bien répondu tout de suite aux injonctions de communication. Et notamment, la communication est assurée tout au long de ce lancement par les satellites en orbite géostationnaire de la NASA, qui relaie en permanence les données de tous les endroits du monde. Là, vous pouvez voir, alors c'est faiblement visible, mais derrière le bouclier orange, qui représente ce bouclier thermique qui servira de protection lors de la rentrée le 26 novembre, là c'est sûr, hein, s'il part bien tout à l'heure vers Mars, ce sera le 26 novembre, vers 21h, rendez-vous est pris. Par contre, derrière, vous avez une partie un peu bleuâtre. Ce sont deux panneaux solaires, hein, parce que comme là, on met des panneaux solaires qui vont servir durant la croisière, et ces panneaux, finalement, on ne les déploie pas, ce qui est très pratique, ça évite d'avoir des ennuis. Ils ont juste la taille de la coiffe, et donc ça permet d'alimenter finalement l'ensemble de croisières jusqu'à Mars. Ça durera maintenant 7 mois à peu près, parce que de toute façon, la fenêtre de tir finalement est terminée maintenant. On est parti au jour à l'heure. Et c'est un petit module qui est également réalisé par Lockheed Martin et qui est accroché au composite qui va voyager jusqu'à Mars. Et ce petit module se séparera au moment où le composite va commencer sa rentrée atmosphérique dans Mars. Donc c'est son compagnon de voyage qui pilote tout ce qui se passe en croisière. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure des compagnons, là, parce qu'il y a trois satellites qui sont lancés. Il y a InSight, qui est évidemment l'élément principal, avec son bouclier, son module de croisière. Et en arrière, si vous continuez le long, là où vous venez de voir des petits réacteurs s'allumer pour la correction de trajectoire, c'est près du moteur là que sont les deux autres satellites, hein, c'est ça. Voilà, Marco A et Marco B, ils sont à l'arrière. Bon, je pense que vous verrez des films avec une animation qui vous les montrera plus précisément tout à l'heure. Mais ces deux petits satellites seront largués après et vont donc le suivre. Et elles sortent effectivement de l'arrière de l'étage. Ils sont dans un boîtier de protection et ils seront éjectés l'un après l'autre. Alors, on parle d'une altitude d'environ 200 km. L'objectif, a priori, était de 185. Mais on doit être autour de la bonne... Il arrive quelquefois qu'on monte un peu plus haut puis qu'on redescende ensuite. Donc, c'est... On voit les corrections liées aux aquateurs qui permettent de corriger légèrement le... Eh bien, tout va bien pour l'instant et on a 2 minutes encore avant l'extinction, la première extinction du Centaure, avant qu'il ait à se refroidir pour 1 heure après
injecter l'engin vers Mars. Donc en fait, la vitesse atteinte autour de la Terre, là, elle est à peu près, elle devrait être de l'ordre de 27 000 km/h, hein, 7,7 km secondes. Ça, c'est ce qui permet d'être en orbite autour de la Terre. Ça peut tenir quelques jours ou quelques semaines quand on est à cette altitude-là. Par contre, il faut maintenant augmenter et passer à plus de 11,5 km secondes. On passe vers Mars, il faut rajouter 3 km secondes. Alors on peut en profiter pour faire un petit rappel historique, qui est une anecdote un peu tragique, mais qui remonte à longtemps, parce que c'était 1996, un lanceur russe qui envoyait l'ancêtre du sismomètre, qui s'appelait Optimisme. C'était déjà le premier bébé de l'Institut de physique du globe et de la société Södern. Et le CNES donc, travaillait sur cette mission dans le cadre de la coopération avec l'Union soviétique. Et en fait, le lanceur, de la même façon, devait se réallumer. Et la première phase, celle que nous vivons en ce moment, a très bien fonctionné. Et puis, c'est quand ils ont voulu rallumer que le réallumage ne s'est pas produit. Et donc, dans ce cas-là, Philippe vient de donner la punition, c'est qu'au bout de plusieurs orbites, il est retombé. Enfin, je ne sais même pas s'il a fait plusieurs orbites, mais il est retombé au large de la Colombie. Nos esprits sont toujours marqués par cela. Il faut savoir qu'il y avait 46 expériences à bord de Mars 96 qui n'a donc jamais atteint Mars, dont beaucoup de françaises, et que néanmoins, on a repêché la plupart de ces expériences pour faire de nouvelles missions, comme par exemple le sismomètre, mais ce n'est pas le seul. Nous allons attendre l'extinction donc de ce moteur hydrogène-oxygène liquide dans quelques instants, quand ce sera fait. Quand je disais repêcher, c'était une image. Hein. On n'est pas allé les chercher dans l'océan. Hein. On a accompagné, par exemple, une manip qui s'appelait Evris, qui a donné plus tard le satellite Kourou, qui était déjà sur Mars 96. Je crois que le spectromètre Omega, Sylvestre me corrigera, avait son ancêtre sur Mars 96 également, et Omega a donné de très bons résultats sur Mars Express bien plus tard. Allez, moi je propose qu'on applaudisse parce qu'ils viennent de couper le Centaure. Voilà, main engine cut-off. Donc moi je pense que déjà... Alors attention, hein, la mission n'est pas encore lancée, c'est pas réussi, mais disons que on est heureux de pouvoir évidemment profiter tous ensemble. On avait prévu de suivre ce lancement, on a pu le suivre cette première partie de lancement. Donc, en fait, ici, maintenant, on va parler un petit peu d'Insight, le temps qu'on donne des informations sur ce qui se passe et que des retours d'informations nous permettent de vérifier tous les paramètres, etc. Là, actuellement, on est parti pour une phase balistique qui va permettre à l'étage Centaure de s'orienter correctement. Je crois qu'il y a une phase, lorsqu'il va être au sud, où il se met en rotation pour éviter que le soleil ne le chauffe trop. On appelle ça être spiné. Effectivement, il va se mettre en rotation sur son axe principal, autour de son axe principal. Quelle est l'influence, finalement, de votre travail sur l'équipement, l'instrument SAIS, par rapport au lanceur ou par rapport aux contraintes qu'on vous donne pour ce moment qu'on a vécu, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler, hein, de l'ensemble. Mais par rapport aux années que vous avez passées sur l'appareil, qu'est-ce qu'on vous donne ? On vous donne des spécifications qui vous disent, parce qu'on a changé de lanceur, là. Ça veut dire, est-ce que ça a changé quelque chose ? Pas... Mais bien sûr. Alors en fait, ça me donne l'occasion d'expliquer un petit peu comment on travaille. Il y a au CNES énormément de gens qui ont travaillé de façon très investie sur cette expérience. J'ai compté une centaine de personnes, mais d'individus, hein, qui, certains pour plusieurs années, d'autres pour une période plus courte, mais à chaque fois avec beaucoup d'investissement. On travaillait pendant ces 7 ans. Et il y a un moment où on attendait, dans l'équipe projet, il y a des architectes mécaniques, des gens, des spécialistes de la mécanique, par exemple, qui attendaient avec impatience les niveaux de vibration que le lanceur américain allait nous donner. Les Américains ont beaucoup tardé à nous le donner. Et comme ils ne savaient pas trop quoi nous donner, ils nous ont donné des choses aussi beaucoup trop contraintes, beaucoup trop dures à tenir, qui peut le plus, peut le moins, n'est-ce pas ? Et donc, on a eu une grande période comme ça. Puis, quand on a reçu finalement les vraies valeurs, dans certains cas, on s'est dit, c'est bon, on est surdimensionné. On va s'en tirer, mais il faut néanmoins refaire les calculs. Ça drivait nos propres essais à nous également, et toutes les études pour vérifier qu'on tenait le choc. Donc il y a tout un moment où la spécification du lanceur doit être fournie aux gens qui conçoivent l'instrument, pour que les gens qui conçoivent l'instrument s'assurent qu'ils vont respecter et qu'ils vont être surtout solides par rapport à ce que le lanceur va leur faire subir. C'est différent d'un lanceur à l'autre, c'est différent d'une nation à l'autre, et c'est toutes ces phases qu'on n'avait pas franchies avec
l'IPGP et le sismomètre dans les années précédant InSight, puisqu'on était, on était pressenti pour d'autres missions, mais on n'avait pas encore le feu vert définitif de la nation qui portait principalement le lancement. Donc à un coup, ça a été la Russie, d'autres fois le Japon, la Chine, les Américains, l'Europe elle-même et la France aussi avec Netlander. On a pressenti d'utiliser le sismomètre, mais les études ne sont jamais arrivées au stade où on savait à quels efforts et contraintes mécaniques on allait être soumis, puisque la mission n'était pas acceptée dans sa phase finale. Et d'ailleurs, en général, elles ont toujours été stoppées avant les phases finales, sauf SACE, où c'est pour la première fois où on était vraiment confronté à une interface lanceur. Et même si elle est arrivée tardivement, elle est arrivée. Et ça nous a permis, à tous les mécaniciens de l'équipe projet de pouvoir ajuster cela. Moi, il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris quand même, qui est extraordinaire. On parlera du sismomètre, de cet engin, de cet instrument et de sa précision. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une précision qui peut mesurer. C'est vraiment très difficile à comprendre à ce point-là. On peut mesurer quelque chose comme la longueur d'un atome. C'est-à-dire l'accéléromètre est d'une sensibilité extrême. Et en même temps, là, on a dû lui faire passer des vibrations absolument extraordinaires. Donc, on est dans quelque chose d'une finesse extraordinaire et avec des vibrations que personne ne connaît tellement c'est élevé. Oui, alors il faut savoir que le sismomètre est protégé. Il est protégé, déjà ses trois pieds ne reposent pas, ne sont pas solidaires de l'atterrisseur ni du lanceur, et enfin a fortiori. Et il est tenu par trois autres pieds qui ont d'ailleurs été conçus et développés par le CNES et qui contiennent des suspensions qu'on a fait développer spécifiquement qui vont filtrer toutes les fréquences qui sont dangereuses pour le sismomètre. Voilà, donc ces suspensions, on les a faites fabriquer justement sur la base de ce qu'on attendait du lanceur fourni par les Américains, mais aussi sur la base des températures qui allaient être vues, parce que là, il y a des contraintes au moment du décollage, mais quand on va atterrir sur Mars, il y aura d'autres températures, il fera très froid, il faut vérifier que toutes ces propriétés d'amortissement vont être conservées de la manière qui est souhaitable à toutes les phases. Et en plus, comme ces mêmes pieds ensuite devront lâcher le sismomètre quand le bras viendra le prendre, il y a également un système de relâchement qui a été conçu aussi au CNES, c'est un sous-système dont on était responsable, et on va suivre ça de très près, les responsables de ce sous-système seront avec nous au moment où ça se produit pour vérifier que les télémesures sont correctes. C'est-à-dire que l'ensemble des télémesures vous permettront pendant la phase de croisière de faire un point, un bon point de l'instrument. Alors pendant la phase de croisière, on aura des télémesures seulement sur certains paramètres, notamment des courants électriques, puisqu'évidemment, on ne va pas faire du tout bouger le capteur. On est en apesanteur. Et sans accélération, on ne s'amuse surtout pas à ça. Puis de toute façon, il est attaché, le sismomètre. Donc, voilà. Voilà, alors une petite information sur ce que donne l'ensemble que vous avez vu placé en haut de l'étage Centaure. C'est donc un véhicule qui fait un satellite ou une sonde spatiale. On peut parler de toute façon, on est toujours satellite. Là, en ce moment, il est un satellite de la Terre et dans peu de temps, on espère qu'il va être satellite du Soleil, de manière à rejoindre Mars. Mais le lander, lui, fait donc 360 kilos, comme on l'a dit tout à l'heure. 368 kilos. J'arrondis toujours un peu quelquefois avec le public, c'est sympa. Alors 370. Et puis on arrive à s'en souvenir. Mais ceci dit, bon, 368, c'est ça ? 68, avec sans doute quelques virgules, mais... et 190 kilos, c'est le cône protecteur. Donc il y a près de 200 kilos de cône protecteur dessus qui va évidemment servir à beaucoup d'éléments durant la croisière et puis à protéger aussi durant la rentrée atmosphérique dans Mars. 80 kilos, ça c'est pour les tâches de croisière. En fait, ça c'est très très léger. Par contre, il y a 70 kilos d'air. Par contre, il y a 70 kilos d'ergol dedans pour pouvoir justement faire des corrections de trajectoire. Est-ce que vous participez à la conduite, au pilotage? Non, a priori, ça c'est la NASA qui fait. On pilote rien du tout, mais en même temps, on aimerait bien avoir des informations sur les corrections de trajectoire. Voilà, on leur demande. On reprend NASA TV parce que Jean-Yves Le Gall est là. Yes, and as you know, NASA is very selective in the choice which are made, and we are very proud to have been selected and to have a very strong partnership with NASA and JPL during the last 10 years. And I am sure that we will have a tremendous success once we receive the data. Absolutely, absolutely. And Pascal, how about for you and the German Space Agency? Tell us a little bit about what it means to see the significant mission start today. Well, Germany is active in Mars exploration since more than two decades.
Just you remember Mars Express and all high resolution stereo camera scanning still the surface of Mars and also contributing to many other US missions to Mars. And we are very, very excited today that you know, our instrument, the heat flow and surface properties packages, HP3, much easier to remember, yeah, is on board, is on the way to Mars, and will really reveal new insights about the interior of Mars. Yeah, and this is really exciting here tonight because we have a scientist by profession la responsable de l'agence spatiale allemande, le DLR, parce que le DLR, avec le CNES, fournit aussi un instrument qui est, de moins d'importance au plan scientifique. Non, évidemment, il est tout à fait intéressant, mais sur le plan de l'importance par rapport à la charge utile, il est moins. Mais ceci dit, le DLR, qui a travaillé beaucoup avec le CNES pour PhilAE aussi, est toujours présent et s'associe à cette mission importante. Et évidemment, mais on en parlera après dans les films, etc., les laboratoires, beaucoup de laboratoires en Europe pour la partie charge utile. Il y a 50 kilos de charge utile. Oui. Alors, le DLR fournit un instrument complet, HP Cube, que vous voyez d'ailleurs sur la maquette Elysium dans le hall, mais fournit aussi des sous-systèmes du sismomètre. Le système de nivellement est fourni par le Max Planck laboratoire qui est de système solaire, qui est à Göttingen et qui est financé par le DLR. Donc voilà, l'instrument HP Cube est fait directement par le DLR et notre sous-système est financé par lui. It's my third launch to Mars. I was in Baikonur in June 2003 for Mars Express. I was also in Baikonur in March 2016 for the first ExoMars and tonight. But the other launches finally are very simple. You have to launch. Here you have to launch, to cruise, to land, and to discover. And this is probably the ultimate mission for an engineer. Well said, and thank you both for being on the show. We really appreciate it, and we're as excited as you guys are to see Mars InSight land and start getting inside the Martian surface. So, back to you, Stephanie. It's very exciting. I hope ça, that c'était you can sense donc quelque chose en plus, vous l'avez, ça vous permet aussi d'être en anglais, d'écouter quelque chose de très intéressant. Il a beaucoup apprécié ses lancements passés vers Mars, mais là, il dit que c'est quand même extraordinaire d'aller atterrir vers Mars. Avant d'être président du CNES, il était directeur d'un Justement, c'est titre qu'il a suivi les premiers lancements dont il a parlé. Oui, je crois que c'est Jean-Yves Le Gall nous a finalement lancé le film qui suit, consacré justement un petit peu à ça. Je voudrais juste prendre quelques secondes pour vous présenter mes excuses d'être avec mon téléphone. Je suis en fait en contact avec les équipes qui sont sur place et qui me disent ce qu'ils voient. Et la situation actuelle, en fait, c'est qu'ils ont déjà rembarqué dans les bus et que c'est moi qui les informe de l'avancement du lancement. Voilà. Donc là, j'ai toute l'équipe projet. Voilà, et moi, j'en profite. Oui, oui, tout à fait. J'attends des nouvelles d'Alexis Payet, qui a fait l'intégration, et qui est un membre éminent, qui est là-bas aussi. Ils sont plusieurs à m'envoyer des SMS. Alors, on en est où? Je leur dis. Absolument, parce qu'on veut absolument, c'est évidemment un petit peu quelquefois décousu, mais on veut absolument pouvoir passer. Vous voyez, la régie nous a passé Jean-Yves Le Gall, qui est quand même un personnage très important du CNES et qui est là-bas, présent, et qui peut intervenir. On a aussi Olivier Sanguy, le rédacteur en chef de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, qui actuellement est concentré sur tout ce qui se dit et toutes les informations de manière à me les fournir pour que vous les ayez. Il pourrait même intervenir si il y avait des choses plus compliquées. Donc merci à Olivier Sanguy et nous faisons bien sûr beaucoup d'actualité spatiale et c'est quelque chose de passionnant que de pouvoir la vivre. Et évidemment, pour nous qui sommes un site de rencontre avec le public, de pouvoir le vivre, c'est évidemment spécial à Toulouse avec autant de professionnels qui sont présents et qui sont quelquefois comme ça pendant les lancements libres. C'est pas toujours le cas, mais là pour le lancement, la fusée, c'est pas toi Philippe, c'est pas toutes les équipes et ça permet d'avoir un peu de temps avec vous. J'ai peut-être un moment, n'hésite pas à intervenir si tu veux, hein, y a pas de problème, on a à peu près 3 minutes devant nous avant de lancer justement une séquence sur les missions martiennes. Tout à l'heure, je suis passé un peu vite, mais c'est intéressant de se le rappeler. Actuellement, Mars est à 121 millions de kilomètres. C'est-à-dire 121 millions de kilomètres, c'est la distance de Mars si on prend la distance entre les deux orbites. Mais évidemment, la ligne droite dans l'espace, ça marche pas beaucoup. C'est toujours courbe en orbite autour du Soleil, ce qu'on espère pour InSight tout à l'heure. Donc en fait, 121 millions de kilomètres, j'ai dit, et il est prévu qu'InSight fasse 485 millions de kilomètres pour justement parcourir cette distance, parce que c'est une sorte d'orbite qui va l'amener tout doucement en augmentant son altitude, en quelque sorte, au regard du Soleil, et croiser Mars au bon endroit au bon moment.
Là, Mars est plus loin que nous, hein, donc il tourne plus lentement autour du Soleil, vu depuis la fusée. Donc on va tirer lorsque la Terre est encore en retard sur Mars, et puis pendant que la Terre va continuer sa route, eh bien, le véhicule va s'éloigner jusqu'à ce qu'il rencontre Mars. Donc ça, ça prend effectivement 485 millions de kilomètres. Et ce qui est extraordinaire avec cette fusée, justement, ce n'est pas toujours le cas, hein, ça n'a pas été le cas, je crois, avec Curiosity, qui était très lourd, et il y avait une fenêtre de tir beaucoup plus fine. Mais là, en tout cas, le 26 novembre était une date fixée pour arriver dans une plaine qui s'appelle Elysium, finalement, la plaine. Oui. Alors, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que essentiellement, la télécommunication qui est impérative lorsque l'engin va descendre, faire les fameuses 7 minutes de terreur où on ne sait pas ce qui se passe parce qu'il faut 7 minutes pour que les signaux nous arrivent avec la vitesse de la lumière. Pendant ces 7 minutes où il se pose, il faut absolument que les données soient bien relayées. Pour cela, ils utilisent des orbiteurs qui sont déjà en orbite autour de Mars, c'est l'émission précédente. Et en fait, ces orbiteurs, ils doivent être dans une configuration favorable. Si vous attendez le lendemain, ils ne seront pas au même endroit et ce n'est pas optimum. Et puis, ils ont aussi leur propre mission, ces orbiteurs, etc. Les deux petits nanosats Marco A et Marco B viennent compléter l'instant de l'atterrissage, les données, mais les orbiteurs sont fondamentaux. Donc la NASA ne veut pas rater ce rendez-vous-là où ils savent que leurs orbiteurs seront dans la bonne position. Et puis la deuxième raison, c'est que aussi l'atterrissage comme ça tombe un lundi après Thanksgiving entre 11h et midi pour la Californie et que c'est idéal pour faire une retransmission et surveiller l'événement. Alors le 26 novembre, Mars sera à 8 minutes lumière. 8 minutes. Donc, ouais, ça marche bien. Et puis par contre, c'est à peu près 7 minutes pour rentrer dans l'atmosphère. Ça détermine aussi ces fameux créneaux tous les 26 mois parce que, je vous l'ai dit, la Terre n'a pas encore rattrapé Mars lorsqu'on tire, mais elle l'a dépassé lorsque la sonde se pose. Mais elle l'a dépassé néanmoins pas suffisamment pour être masquée par le Soleil. Elle est encore en visibilité, ce qui est fondamental pour les télémesures. Voilà. C'est pour ça que les créneaux sont étroits. Cette configuration ne se produit que tous les 26 mois. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, nous allons lancer un petit film justement sur ces missions qu'on vous propose en attendant. Sachez que pour le moment, on a l'étage Centaure et InSight qui sont en train de descendre vers le sud et ils remonteront tout à l'heure. On vous tiendra au courant. Un film. Préciser que la réalisation a utilisé les images de la NASA. Vous avez vu toutes ces images de la NASA de réussite extraordinaire et de moments forts. Merci beaucoup à la NASA et au JPL de nous avoir autorisé à utiliser ces images. Nous sommes avec Sylvestre Maurice, qui est astrophysicien, qui, bien sûr, pour certains, vous le connaissez, puisqu'il est très lié à Curiosity, le rover qui actuellement travaille sur Mars. Avec la ChemCam, il va vous en parler peut-être, mais en tout cas, il est astrophysicien à l'IRAP,
Donc, tu peux me rappeler l'IRAP? L'IRAP est un laboratoire toulousain de l'Université Paul Sabatier, du CNES et du CNRS. Voilà. Comment tu trouves ce moment fort qu'on a passé ensemble? Un grand moment. Et quelle est cette place qu'a Insight dans ta vision de planétologue, d'astrophysicien et spécialiste des planètes? C'est vraiment un grand moment. Je tiens à les féliciter. C'est la première partie du voyage, mais c'est déjà important. C'est un grand moment parce que, en fait, l'exploration de Mars, c'est pas une mission, c'est pas une équipe, c'est pas une personne, c'est des missions et une communauté absolument incroyable. C'est une sorte de famille où il y a les anciens, il y a les petits nouveaux qui arrivent. Alors ça, c'est le dernier qui arrive. Il y a ceux qui sont en place qui disent on les attend, et puis il y a ceux qui seront à venir. Ici, l'animation se concentrait sur ce qu'il y a de plus dur de l'exploration, on l'a dit, c'est de se poser sur Mars. Et donc on s'est posé plusieurs fois, les Américains, beaucoup quand même, il faut être très honnête, c'est eux qui savent le faire, et ils ont la bonté, on leur rend grâce, de nous embarquer avec eux. Il y a une cohérence dans tout ce programme martien. Le programme martien, aujourd'hui, c'est six orbiteurs qui tournent autour de Mars, trois Américains, deux Européens et un Indien. Deux rovers qui sont en train de rouler, Opportunity et Curiosity. Et puis, bientôt, on aura un septième qui ne sera ni orbiteur ni rover, il est lander. Il a d'autres cordes à son arc. Et tout ça, c'est un ensemble, c'est une cohérence qui va du début, qui était ce qu'on disait, la recherche de l'eau, des traces d'eau, d'une eau du passé, d'une planète humide, qui lentement dérive vers l'habitabilité. Finalement, il y a eu de l'eau liquide. Est-ce que ça a permis à la planète d'être habitable? Et ça, c'est Curiosity, TGO, et puis même la perte d'habitabilité avec Maven. Et puis, lentement, on s'achemine vers l'avenir, qui sont les traces de vie. Et quand on met toutes ces thématiques ensemble, on se rend compte que on les aborde par l'atmosphère, par la surface, et puis par, eh bien, le chaînon manquant, ce qui nous manque pour comprendre la cohérence de la science de Mars, c'est la structure interne. La structure interne, c'est fondamental de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de Mars. Parce qu'on a bien vu que la planète, dans le passé, avait une atmosphère dense, peut-être 2 bars de CO2 avec l'effet de serre, ça nous faisait de l'eau liquide, même si la planète est loin. Et puis l'atmosphère disparaît, il y a à peu près 3 milliards, un peu plus de 3,5 milliards d'années. Et puis maintenant, on a une planète qu'on connaît gelée dans son passé, très froide. Et bien, ce départ de l'atmosphère, la mort de la planète, on ne peut l'expliquer que par des événements de structure interne. La planète qui se refroidit, qui en quelque sorte meurt, qui peut-être probablement coupe son champ magnétique, et coupant son champ magnétique, rend son atmosphère exposée au vent solaire qui va l'arracher. Vous savez, nous, on a une atmosphère et on l'a gardée et grâce au champ magnétique qui est construit autour de nous, ce qu'on appelle une magnétosphère, qui empêche aux particules qui viennent du Soleil de l'arracher. Eh bien, tout ce mécanisme d'arrachement de l'atmosphère, on l'attaque par le haut. C'est une mission qui s'appelle MAVEN, dans laquelle on est très impliqué en France, ayant construit des instruments. Et puis, on va l'attaquer maintenant depuis l'intérieur, depuis le bas, en comprenant, et ça on va en parler longuement, la structure de Mars. Vous savez, dans les livres les plus jeunes, là j'en vois plein des jeunes, on vous apprend ces fameux pelures d'oignon, avec ça commence avec un noyau, et puis un manteau et une croûte. Et encore dans le manteau, on vous dit qu'il y a le manteau du bas, le manteau du haut, etc. La croûte, il y a différentes croûtes. Eh bien, on le sait bien sur Terre, parce qu'on a écouté la Terre avec ces fameux sismomètres, mais on ne l'a jamais fait sur Mars. Et ce chaînon manquant de notre histoire commune qu'on étudie de Mars, eh bien, on l'attendait depuis tellement longtemps, donc c'est vraiment une longue réponse pour dire que c'est un énorme événement pour la cohérence de l'exploration de Mars. Non, tout à fait. Simplement je vais te reposer une question. Simplement, je voulais prévenir que du côté de la NASA, tout était OK et bon, côté Centaure et côté paramètres. Et le Centaure, avec l'engin InSight, est en train de passer le sud de l'Amérique du Sud. Et il va remonter sur la Réunion tout à l'heure, avant de passer sur l'Inde et la Chine. On vous tient au courant. Mais tout va bien. Une dernière question avant qu'on continue. Le Curiosity a quand même apporté quelques grandes réponses, si tu peux en une minute. Alors, Curiosity, c'était le rover précédent. Donc, vous avez une maquette qui, à l'échelle 1. Qui est effectivement ici, la maquette à l'échelle 1. Qui est tirée par une Atlas 5, alors il est plus gros. Lui, on parlait d'une tonne et 900 et quelques kilos. Et poser 900 kilos, il faut encore plus. Il y a un petit fait de gerbage qu'on voit ici, d'ailleurs. Lui, il est là. Ça fait 5 ans et demi, bientôt 6 ans. On avait fêté ici, évidemment, l'atterrissage. On l'avait vu en direct. Il a fait plein de découvertes. Alors, vous savez, les découvertes, il y a des...
des petites découvertes qui pour nous sont importantes. Elles nous permettent, c'est des briques qu'on pose, et puis chacune dans notre connaissance. Et quand on en a plusieurs, on peut déclarer quelque chose qu'on peut partager un peu plus facilement. Et ce qu'on a partagé facilement avec le public, c'est l'habitabilité. L'habitabilité, ce n'est pas une découverte, c'est plein de petites découvertes de différents instruments. Et ce qui permet de dire que dans le passé, vous savez, dans le passé, il y a probablement 4 milliards d'années à peu près, la planète Mars était habitable. Alors qu'est-ce que ça veut dire habitable ? C'est un concept que, encore une fois, les jeunes dont vous parlez, hein, c'est au programme de seconde pour les moins jeunes. On vous définit ce que c'est que l'habitabilité, c'est les conditions physico-chimiques qui rendent la vie possible. C'est un peu compliqué parce que ça suppose une définition de la vie, mais ça repose sur de la présence d'eau liquide, parce que ça, ça va être le solvant de la chimie de la vie. Pour les grands, c'est la chimie organique. Et puis d'une eau liquide qui n'est pas trop basique, pas trop acide, pas salée, disons de l'eau douce. Et puis des éléments comme du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore, du soufre, et puis de l'énergie. Voilà, tout ça ensemble, ça fait l'habitabilité. Et ça, ça a été démontré par Curiosity. C'est fondamental parce que dans notre système solaire, on a 8 planètes. Hein, moi, j'en connaissais qu'une seule d'habitable, c'est la Terre. Maintenant, j'en ai 2. Alors, ça ne fait pas une statistique, mais plusieurs fois, j'ai pu le dire que maintenant que je sais qu'il y a 2 planètes au même moment habitables dans le système solaire, il y en a certainement des milliards dans l'univers. C'est vrai, 2, ça fait beaucoup dans le système solaire. On lance un film justement sur maintenant le travail de pourquoi la France est présente finalement dans cette mission-là. Je crois qu'on va le réexpliquer. Le CNES a historiquement, parce que la communauté scientifique française est très intéressée par cette planète, a contribué à beaucoup de missions, notamment une grande mission était Mars 96. Donc en 1996, nous avions, avec les Russes à l'époque, contribué à cette mission sur laquelle nous avions mis le premier sismomètre. J'ai commencé ma carrière avec la mission Mars 96. L'objectif était d'envoyer sur Mars des sismomètres. Il y avait 2 petites stations dans cette mission, mais malheureusement, cette mission a échoué peu de temps après le lancement. Alors, suite à l'échec de la mission Mars 96, il y a plus d'une vingtaine d'années, d'une part, Philippe Leunionnet a souhaité améliorer les performances de son instrument via donc, des activités de recherche et développement, mais en parallèle, il a, avec l'aide du CNES, cherché toutes les opportunités pour mettre ce sismomètre soit à la surface de Mars, soit à la surface de la Lune, puisque finalement, la problématique est un peu la même. Et il y a eu beaucoup de projets de mission qui ont vu le jour. Je crois qu'on a dépassé la dizaine. Et à chaque fois, on est parti sur des études de faisabilité. Et puis la mission a été abandonnée pour X ou Y raisons, n'a jamais abouti. Et c'est un peu comme ça que sur une dizaine de missions, à chaque fois, les considérations diverses de partenariats ont fait qu'on n'arrivait jamais jusqu'à le lancement de la fusée. Et sur InSight, on est dans le schéma où on a pu aller au bout, on a pu fabriquer les modèles de vol, livrer les modèles de vol, et là on est au stade où la fusée décolle, et donc le 26 novembre, on se pose sur Mars. Gabriel Pont, bonjour, merci à Sylvestre tout à l'heure qui est reparti. Gabriel Pont, responsable de l'instrument SACE. Alors ça c'est... Donc comment vous avez vécu le décollage là ? Ah, c'est assez émouvant. Après tant d'années d'efforts de la part de toute l'équipe technique, dont une bonne partie est représentée ici, on peut tous les remercier. Il y en a une partie aussi qui est sur Vandenberg et qui n'arrête pas d'envoyer des SMS. Et tout le monde est bien content, même si on l'a vu, ce n'est pas fini. Parlez-nous un tout petit peu de cette complexité et puis de cette construction, de cette réalisation de cet instrument. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté de réaliser un instrument qui survive au niveau mécanique pendant le lancement. Il y a également des niveaux importants qui vont être vus par l'instrument et par l'atterrisseur pendant ce qu'on appelle la phase d'entrée, de descente et d'atterrissage sur Mars. Et on peut également aussi parler de la thermique, parce que Mars est une planète relativement froide par rapport à la Terre. On dit moins 20 degrés à moins 100 degrés, enfin de moins 100 à moins 20. Voilà, donc il a fallu qu'on montre que notre instrument était capable de résister jusqu'à des températures de l'ordre de moins 120 degrés. Donc ça, c'est pour le côté martien. Une autre spécificité, c'est qu'on ne veut pas amener de particules nocives sur la planète Mars, et donc on est obligé d'étuver l'instrument sur Terre, donc on est obligé de montrer que notre instrument survit à des températures de l'ordre de plus 120 degrés. Donc ça fait une gamme de moins 120 à plus 120. Et pour un instrument sensible comme le nôtre, ce n'était pas facile à réaliser.
Donc combien de temps, parce que ça fait combien d'années que vous êtes, peut-être pas vous, mais depuis combien de temps il a fallu pour monter cet instrument? Alors, on l'a un peu expliqué dans le film précédent, le CNES travaille depuis assez longtemps sur le développement du sismomètre lui-même. J'étais pour ma part impliqué depuis l'année 1996 sur cette activité de recherche et développement. Le T0 du projet, j'étais pas là. Donc c'est mai 2011 où on est présélectionné. D'accord. Voilà. Donc un long travail qui va aboutir, j'espère, dans quelques 7 mois sur Mars. Et moi, je suis arrivé il y a 3 ans et j'ai subi le premier report de lancement. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Oui, alors ce report de lancement, on peut en parler 30 secondes. 30 secondes pour... 30 secondes pour juste nous dire un petit... C'est un problème de joint, simplement. Oui, alors, le cœur de l'instrument est constitué de sismomètres qui sont enfermés dans une sphère en titane qui fait à peu près le diamètre d'un ballon de handball. Et pour être performant, ces sismomètres doivent être placés sous vide. Et il est bien entendu hors de question de mettre des pompes, parce que sinon, le sismomètre mesurerait le bruit émis par les pompes. Et il faut également transmettre des signaux électriques de l'intérieur de cette sphère qui est sous vide vers l'extérieur. Et donc on utilise des traversées étanches. Et on s'est aperçu en 2015, lors des essais de cyclage thermique, qu'une de ces traversées fuyait. Et donc c'était très nuisible aux performances de notre instrument. Et donc on a essayé de boucher la fuite comme on a pu pendant des mois. Ça n'a pas marché, on a reporté le tir. Voilà, c'est pour ça, mais c'est vrai que le spatial de ce point de vue est quand même absolument extraordinaire de pouvoir essayer de tenter d'avoir absolument aucun maillon faible. D'ailleurs, maintenant, on va continuer avec notamment Francis Rocard sur ce que c'est que ce sismomètre et comment il fonctionne. Un sismomètre, hein, c'est un petit peu comme un stéthoscope, mais c'est aussi un petit peu comme un système d'échographie. C'est-à-dire qu'on va utiliser un instrument qui détecte des ondes, et ces ondes, il faut qu'elles soient générées par quelque chose, et ce quelque chose, ça va être des tremblements de terre, ça va être des impacts de météorites, et donc ces ondes qui vont être excitées par ces impacts vont se propager à l'intérieur de la planète et revenir vers la station sismique InSight où elles seront mesurées. C'est un instrument qui est à la fois très sensible, donc avec une capacité de détecter des déplacements de l'ordre de la taille d'un atome, et évidemment très robuste, et surtout un instrument qui est adapté à une mission spatiale. Ça a été énormément de travail pour spatialiser le concept d'un instrument qui est capable de survivre au voyage et surtout de fonctionner sur la planète. Le rôle du CNES dans cette mission spatiale a été de prendre le concept, de prendre un concept instrumental, un instrument qui est un prototype qui avait été développé dans un laboratoire, et rendre ce prototype tellement robuste qu'il est devenu un réel instrument spatial. Et donc ça, c'est vraiment le rôle clé du CNES, prendre une phase de conception, une idée scientifique et la transformer en mission spatiale. On a travaillé en recherche et développement pour améliorer les performances de sismomètres pendant de très nombreuses années, et avec cette activité de R&D, on a développé un instrument un peu particulier qu'on appelle un VBB, ça veut dire Very Broadband en anglais, ou sismomètre très large bande. Vous savez, les séismes, c'est plutôt à haute fréquence, c'est typiquement une période d'une seconde, mais on s'intéresse également à des phénomènes à très très basse fréquence, des périodes très longues, mais ce signal est très faible, donc il faut que l'instrument soit très sensible, et en intégrant avec le temps, on va mesurer l'intensité de ce signal. Et par déconvolution, c'est un terme compliqué, c'est-à-dire par la forme exacte de ce signal, on va en déduire l'épaisseur de la croûte qui est juste en dessous d'InSight. Et c'est pourquoi il a fallu développer un instrument un peu particulier qui va dans les très basses fréquences. Voilà, et bien quelques nouvelles du Centaure avec son satellite et sonde spatiale InSight. Il est passé au plus sud de sa trajectoire, ça veut dire qu'il commence à remonter vers l'océan Indien et la Réunion, Madagascar, la Réunion, et puis tout va bien. Donc pour l'instant, eh bien, ça, c'est sa dernière remontée, parce qu'ensuite il descendra, mais il ne refera pas une deuxième descente, il repartira définitivement vers Mars. Une question à propos peut-être de l'organisation du projet, comment ça fonctionne, quels sont les principaux partenaires qui ont travaillé en permanence ensemble pour réussir cette mission?
Alors, effectivement, il y a trois partenaires européens. C'est-à-dire qu'en mai 2011, quand Philippe Léonet arrive, tout échevelé, vous l'avez vu, en nous disant « Au secours, j'ai été retenu sur Insight, il me faut l'aide de l'agence ». Et avec moi, j'ai des Allemands avec qui je travaille depuis 10 ans sur le système de nivellement, des Suisses qui font le boîtier électronique et des Anglais qui font les capteurs haute fréquence. Donc, on récupère ce consortium et on demande au CNES de faire son rôle d'agence, c'est-à-dire une maîtrise d'œuvre globale de l'ensemble de l'instrument. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du CNES, il y a des corps de métier très expérimentés puisqu'ils font beaucoup de missions et qui vont apporter un savoir-faire qui n'est évidemment pas celui, le cœur de métier d'un scientifique qui, lui, travaille sur des prototypes et ses données. Et donc, on a coordonné ce consortium et on a apporté tout le savoir-faire de nos thermiciens, de nos mécaniciens, de nos qualiticiens, de nos électriciens, etc. etc. Et donc, en fait, cette coordination est assez complexe parce que les Américains qui se sont ajoutés, qui se sont invités comme cinquième partenaire, fait un consortium où vous avez quatre langues différentes, trois monnaies différentes. Et la première phase du projet, ça a été de convaincre la NASA que c'était possible. Parce que pour la NASA, il n'y a que les consortiums américano-américains qui fonctionnent. L'Europe, c'est un truc étrange où personne ne se connaît. Eh bien, on les a convaincus. Et après, il n'a pas fallu qu'on se fasse mentir. Donc, il a bien fallu que ça fonctionne. C'est beaucoup d'énergie. Voilà. Alors pour préparer justement un peu ce lancement, on a demandé aux responsables scientifiques du JPL de savoir quel enseignement ils pouvaient bien tirer du travail avec les Français. It has been a very interesting process. There are many things which, as Americans or Frenchmen, that we approach differently in terms of the way that we approach problems, the way that we interact. And I think that it's been very interesting for me to learn the different ways in which the American way is better or the French way is better. And sometimes when you have a combination, there's more than one way to attack a problem, and sometimes the solutions come more quickly when you have different thought processes being applied to them. Sometimes it's very frustrating because you are used to doing something a certain way, and it makes you very frustrated that it's not done the same way, but many times in the end you look back and think that actually probably the process maybe even got to the end better because we had a diversity of opinion. Oui, vous voyez, c'est intéressant hein, de ce mélange des cultures. Ce mélange des cultures. Alors justement, comment ça s'est passé, disons, puisque là, est-ce qu'il y a beaucoup de travail avec les Allemands aussi? On va revenir sur le travail, évidemment, avec les Américains. En amont, on a beaucoup travaillé avec les Allemands, les Suisses et les Anglais, parce qu'il fallait fabriquer, chacun fabriquait son sous-système. Donc je précise que chacun le fait avec l'argent de son contribuable. Il n'y a pas d'échange de fonds, comme on dit. Hein. Il n'y a donc pas de contrat de la France vers l'Allemagne ou vers l'Angleterre ou vers la Suisse. Donc en fait, ils font ce qu'ils peuvent avec leur argent et on est toujours à la merci de quelqu'un qui a une difficulté, qui prend du retard, voire qui abandonne, ce qui ne nous est pas arrivé, heureusement. Puis les Américains sont arrivés avec le même principe. Et nous, on était censés fournir l'instrument après avoir coordonné tout le monde. Donc cette rencontre avec les Américains, c'est un choc culturel qui n'est pas aussi important que ce qu'on pourrait craindre parce qu'on a beaucoup de points communs, en fait, sur la façon d'aborder les sujets. Après, le PIB de la France, c'est un dixième de celui des États-Unis environ, hein, c'est un secret pour personne. Donc vous pouvez décliner ça sur la force de frappe, entre guillemets. Hein, on est 1500 ou 2000 au CNES. Si vous rajoutez le monde scientifique et les industriels, ça fait plus de monde, vous doublez le chiffre. Mais là-bas, vous rajoutez un zéro hein, pour avoir une idée du nombre de personnes. Ils sont 6000 au JPL, par exemple. Oui, on est sur une mission d'à peu près 800 millions de dollars, qui comprend d'ailleurs le lanceur, hein, 160 pour le lanceur et la mission. Et puis il y a eu 180 millions, l'équivalent de 180 millions de dollars, donc un peu moins en euros, concernant la participation, disons, de la France et des Européens. Des Européens aussi et des Américains aussi. Ils ont participé un petit peu. Hein. Oui, mais ce n'était pas compris dans le prix, là. Mais ceci dit, d'accord. Je crois qu'ils ont ajouté ça une vingtaine de millions concernant Marco. Que les chiffres incluent les salaires. Hein. Les Américains travaillent comme ça, on appelle ça le coût complet. On ne dit pas que la part des contrats, on dit aussi ce que ça coûte pour faire travailler les ingénieurs et tous les gens qui sont amenés à travailler dessus. Donc en fait, effectivement, c'est comparatif. Ça amène la mission à peu près 1 milliard de dollars à comparer aux 2,5 milliards de Curiosity. Hein. Et je crois qu'on est parti sur 1,5 ou 2 pour Mars 2020. Donc ce sont des missions de taille plus modeste qui permettent de profiter des créneaux martiens intermédiaires puisque des missions de l'ordre de 2,5 milliards de dollars, ils en font tous les 10 ans. Hein, MSL, Mars 2020, c'est à peu près tous les 10 ans. Et donc, on retrouve ce rapport 10%. Les Américains, finalement, financent 90% de la mission. SAIS, c'est 10%. Mais c'est l'objectif, c'est la finalité de la mission, néanmoins.
Alors, ce que je proposerais, c'est justement qu'on se pose la question, parce qu'on parlait de salaire, on parlait de temps passé, mais en réalité, il y a souvent quelque chose qui se déclenche au bout de 25 ans de travail de scientifiques du CNRS ou de l'Institut de physique du Globe de Paris, etc. On va écouter Philippe Lognonnet, parce que ça vient de très loin, quoi, en fait. Si on calculait ces heures-là passées sur la science fondamentale, je crois qu'on ne les calcule pas. Mais après, les résultats, on regarde. We have many seismometers that are built in the United States for research on the Earth, but there are special conditions that seismometers need to be able to work within if you're going to work in the environment of space or another planet. And France started doing development on seismometers for use on other planets a long time ago, back in the 1980s even, to collaborate with, at that time, the Soviet space program. So by the time InSight came along in the 2000s, France already had almost 20 years of development in figuring out how to make a seismometer work in the very harsh conditions on Mars. And for us to reproduce that development in the United States didn't make sense. So we had a great instrument here in France. I'd been working with Philippe Lognonnet and the French team here for many years on other mission concepts, and so it was a very natural collaboration for us to make. Avec Bruce, on a commencé à travailler sur des projets communs d'une façon un petit peu étonnante. On a commencé à travailler tous les deux avec une tronçonneuse, et on a dégagé, coupé des arbres de près d'un hectare de terrain, des arbres qui étaient morts, hein, bien sûr. On a préparé près d'un hectare de terrain en Californie pour faire une expérience visant à montrer qu'on était capable d'avoir de bonnes données scientifiques sur Mars avec des sismomètres déployés un petit peu comme sur InSight. C'était en 1993. Nous avons travaillé sur l'amélioration d'un sismomètre et petit à petit, le temps et les activités de recherche et développement avançant, nous avions un instrument qui avait des performances, une sensibilité inégalée pour un instrument qui devait subir, par exemple, la vibration au lancement. C'est-à-dire que des sismomètres sont des instruments très sensibles, très fragiles, mais il fallait qu'ils soient très robustes et néanmoins très sensibles. Et en plus, on a énormément amélioré donc, la bande passante, c'est-à-dire les fréquences que le sismomètre pouvait détecter. Et donc, petit à petit, cet instrument est devenu le meilleur instrument au monde pouvant être embarqué sur une mission spatiale. Ça explique pourquoi le sismomètre français se retrouve sur une mission américaine. En fait, on peut peut-être se reposer la question, et notamment à Philippe Laudet, que tout à l'heure on a posé aux responsables scientifiques du JPL, c'est finalement, alors, comment ça se passe avec les Américains? Du moins, qu'est-ce qui est le plus facile et qu'est-ce qui est le plus difficile? Le contact est assez facile. Et en fait, on voit beaucoup d'images de salles blanches, donc ça me permet de prendre un exemple. Les salles d'intégration, nous, on intègre d'abord le sismomètre dans nos salles blanches au CNES. Donc là, on a une équipe très performante qui a fait ça pendant des mois dans des conditions souvent difficiles. Et ensuite, une fois l'instrument livré, l'équipe a suivi et s'est mêlée à l'équipe intégration américaine. Donc là, le choc culturel était évident. Il y a des exemples où nous, on était là en train de faire très attention à ce qui n'abîme pas notre sismomètre par imprudence, hein, ou simplement par ignorance. Les accidents peuvent toujours arriver en salle blanche. Et quand on leur disait comment vous sécurisez cette manœuvre de tel essai pour ne pas abîmer le sismomètre, il y avait souvent nos responsables d'intégration CNES et notre qualiticien qui se déplaçait toujours avec, qui disaient non, faites pas ce que vous proposez, nous, ça ne nous sécurise pas. Et là, on voyait des problèmes de culture. Et dans ces cas-là, quand on était notamment chez Lockheed Martin, ils ont été à chaque fois extrêmement respectueux de notre vision. On trouvait toujours des compromis. Alors, moi, je ne m'en occupais pas, j'étais visiteur en salle blanche, mais les responsables d'intégration, je me souviens des discussions avec eux, disaient non, là, ils pensent que l'être humain qui est en dessous va rattraper le sismomètre si par hasard on le lâche. Ça, c'était pendant l'essai de déploiement. Nous, on n'a pas confiance. On préfère avoir ça comme troisième backup et on va mettre des cordelettes pour le retenir au bras. Ces cordelettes ne seront pas utilisées, mais si le bras a un défaut, bah au moins elles tiendront dans un premier temps. Ça, c'était une différence culturelle. Bah, ils ont accepté qu'on monte nos bouts de ficelle, c'était assez marrant, on a des photos assez exemplaires, alors que rien ne les y oblige. Ils pouvaient nous dire, écoutez, taisez-vous, on est responsable de la mission, vous avez livré l'instrument, retournez au vestiaire. Bien non, ça a marché quand même. Il faut ne pas avoir peur des Américains et avoir un respect mutuel. Oui, il est évident qu'il y a
priori la capacité d'avoir ce respect compte tenu de l'historique de la France en matière de coopération internationale. On peut toujours se dire, ils en ont intégré tellement que c'est pas moi qui vais leur apprendre. On peut toujours se dire ça, mais c'est pas la bonne approche. Et on n'est pas non plus là pour leur dire, écoutez, c'est mon instrument, moi je sais, vous savez pas. C'est pas vrai non plus du tout, bien sûr. Il faut trouver le bon endroit. Et ça, c'est assez humain aussi. Chacun, il y en a qui se positionnent mieux que d'autres. Là, j'avais la chance de voir œuvrer une équipe qui était assez bien adaptée à tout ce genre de travail. Alors, on n'a pas toujours la chance d'avoir des suivis de véhicules comme celui qui est en train de circuler autour de l'Amérique du Sud en ce moment, mais avec les satellites géostationnaires, on suit bien et tout va bien du côté du Centaure qui remonte maintenant tout doucement dans l'océan Indien, sachant qu'il y a eu une perte de communication qui était normale. Dû au fait que ça passe très 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 bas quand même pour les satellites de télécommunication. Il y a quelques minutes de perte de signal, mais en fait c'était normal et tout va bien. On en reparle tout à l'heure et on lance un film maintenant, c'est pourquoi un sismomètre sur Mars. On attend d'InSight de nous donner des paramètres sur les caractéristiques de la structure interne de Mars et on va réécrire l'histoire de la formation des planètes telluriques et de la planète Mars en particulier. Donc, encore une fois, depuis la condensation des grains jusqu'au processus de différenciation, on va pouvoir en déduire une information notamment concernant son champ magnétique. Sur Mars, il y avait un champ magnétique, on en est à peu près sûr aujourd'hui, parce qu'on voit des traces au sol, à certains endroits, de ce qu'on appelle un champ magnétique crustal, c'est-à-dire une roche qui est restée magnétisée aujourd'hui en surface, qui prouve que globalement, il y avait un champ magnétique. On pense que ce champ magnétique s'est éteint. Il s'est arrêté parce que les phénomènes de convection à l'intérieur du manteau et du noyau se sont figés, parce que l'intérieur de Mars s'est refroidi. Et à ce moment-là, si vous n'avez plus ces mouvements de convection, tout s'arrête et le champ magnétique s'éteint. Et le champ magnétique s'éteignant, le vent solaire pulvérise petit à petit l'atmosphère de Mars, qui s'échappe et l'effet de serre s'amenuise et la planète devient un désert glacé. Et c'est ça l'histoire de la planète Mars. Et tout ça s'est passé probablement il y a 3,5 milliards d'années. Quelque part, InSight va être le début de la planétologie comparée de l'intérieur des planètes. Ce qui est remarquable, et malheureusement remarquable aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une seule planète dans le système solaire pour laquelle on connaît avec précision la taille du noyau, c'est la Terre. Et donc, on va enfin obtenir une deuxième planète où on va mesurer la taille du noyau, on va mesurer la taille de la croûte et on pourra vraiment comparer la Terre et Mars et on pourra comparer tous les processus de formation et d'évolution des planètes telluriques. Philippe Loyonnais qui est lui à Vandenberg et qui a dû vivre un grand moment de son... J'imagine, oui. Voilà, après autant d'années avec la volonté de... Surtout pour lui, hein, d'aller faire pour son science. Laboratoire. Ça, c'est extraordinaire, mais enfin, c'est vrai pour tous ceux qui, à un moment donné, y participent. Nous allons maintenant regarder un petit film spécial, une petite animation sur ce qu'on trouve à l'intérieur de Mars. La question de l'intérieur de Mars, c'est quoi? Qu'y a-t-il à l'intérieur de Mars? Nous savons beaucoup de choses sur l'intérieur de la Terre. Alors que sur Mars, nous avons seulement égratigné la surface. Pour comprendre comment Mars s'est formé, il faut étudier ses entrailles. L'atterrisseur InSight de la NASA a été spécialement conçu pour cela. Étudier les signes vitaux de la planète. Prendre son pouls ou activité sismique, y compris les tremblements de Mars. Relever sa température pour voir quelle quantité de chaleur se dégage de ses couches profondes. Et vérifier ses réflexes pour voir comment la planète oscille lors de son parcours autour du Soleil. Tous ces éléments fournissent des indices sur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la planète. Mais donc, qu'y a-t-il à l'intérieur de Mars? InSight peut nous aider à le découvrir en faisant passer à Mars son premier check-up depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années. Plus nous en apprendrons, mieux nous comprendrons les planètes telluriques et l'histoire de notre système solaire. Merci à Sylvestre Maurice d'être venu. Donc, astrophysicien à l'IRAP et qui est spécialiste des planètes. Alors justement, à propos de ce petit film et de ce sismomètre qui va aller sonder l'ensemble des vibrations de Mars pour connaître son intérieur, au-delà de connaître Mars, donc, quelle est la part, on en a un petit peu abordé la question tout à l'heure, quelle est la part de planétologie comparée? On compare quoi et pourquoi? En fait, c'est ça qui nous plaît beaucoup avec Mars, c'est que étudier Mars, c'est jamais seulement Mars. Évidemment, c'est cette planète absolument fabuleuse, gelée dans son passé. Je dirais presque une planète ordinaire, avec un destin assez extraordinaire d'ailleurs.
Mais étudier Mars, c'est étudier, c'est un laboratoire, c'est un, qui nous permet de mieux comprendre d'autres planètes. Alors effectivement, vous savez, sur la structure interne, les planètes, au début, on pensait que c'était toutes les mêmes. Elles sont toutes comme la Terre. Et puis après, on a vu la Lune, on a dit, mais non, c'est pas pareil, elle est plus petite, donc le noyau est très très différent. Mars, on ne sait pas bien. Bon, Vénus, on ne sait pas. Et puis, il y a les autres planètes. Prenez Jupiter. Qu'est-ce qu'il y a dans Jupiter ? Ben, dans Jupiter, il y a une Terre, on pense, qui ressemble à la nôtre, qui s'appelle une super Terre. Et puis, regardez un autre satellite autour de Saturne, autour de Jupiter. Vous avez, par exemple, un océan à l'intérieur de... à l'intérieur d'Europa, et puis à l'intérieur, en dessous de l'océan, il y a une graine, et au-dessus, il y a de la glace. Donc vous voyez, toutes les structures internes sont différentes. Et Mars, ça va être encore un autre cas, un cas légèrement différent de la Terre. Alors il ne va pas ressembler à Jupiter, il ne va pas ressembler au système externe. C'est un cas assez très intéressant pour cet ensemble être plutôt de petite taille, de type tellurique. Je me suis posé des questions, justement, je ne suis pas géologue, mais on doit savoir déjà à quoi ça ressemble, en gros. Alors on va faire la comparaison du modèle. Oui, ça peut pas être n'importe quoi, parce qu'on a quand même des contraintes. On connaît sa masse. Ça paraît idiot, mais c'est difficile de calculer la masse d'une planète. On connaît sa masse, on connaît sa vitesse de rotation, on connaît des petits mouvements qui sont d'oscillation. Et ça nous apporte des contraintes. C'est des paramètres qu'on appelle les J2, J4, J6 pour les plus spécialistes. Et ça nous donne des petites contraintes sur la structure interne. Donc avec ces contraintes, Philippe Léonionnet, son équipe, Raphaël qui est ici, etc., on construit des modèles. Donc on a différents modèles d'épaisseur de croûte, de manteau, de noyau. Et on va pouvoir mettre à l'épreuve ces modèles. C'est ça. L'astrophysique, c'est d'abord la donnée. Voilà. Donc, on est en manque de données, là. La donnée va nous permettre de contraindre tous les modèles, les histoires qu'on a. Oui, et je suppose qu'effectivement, à partir de la Lune qu'on connaît un peu, la Terre qu'on connaît très bien, Mars en plus, on devrait avoir quelque chose qui s'affine drôlement. On va lancer un petit film, parce que est-ce qu'il y a des tremblements de Terre sur Mars ? Parce que... Il y a des tremblements de Mars. Il y a des tremblements de Mars. On dit tremblement de Mars ou tremblement de Terre ? Non. On a souvent l'habitude de dire tremblement de Terre. Et oui, pareil, souvent, les gens me disent atterrir sur Mars, c'est quoi ? Est-ce que c'est un atterrissage, marsissage, un aérissage ? On dit atterrissage, c'est une planète. D'accord. Tremblement de Terre. Alors on verra pour les tremblements de Terre. Même si c'est sur Mars. En tout cas, on va regarder un petit film sur ça, une petite animation sur les tremblements de Mars. Y a-t-il des tremblements de Terre sur Mars ? Ou plutôt, des tremblements de Mars ? Sur Terre, des séismes se produisent plusieurs fois par jour, principalement dû au mouvement des continents qui dérivent sur le manteau situé en dessous. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Mars ne semble pas avoir de tectonique des plaques, mais d'autres phénomènes peuvent faire trembler le sol, comme de la fracturation liée au refroidissement de la planète qui se contracte, des circulations de magma créant des zones de pression en profondeur, ou même des impacts de météorites. Des séismes de n'importe quel type envoient des ondes sismiques autour et à l'intérieur de la planète. Les scientifiques peuvent étudier comment ces ondes rebondissent sur les différentes couches situées en profondeur pour mieux comprendre la structure interne d'une planète. L'atterrisseur InSight de la NASA transporte un instrument super sensible pour mesurer les tremblements de Mars. Il devrait être capable d'en détecter des douzaines durant sa mission. Chacun d'eux peut nous en apprendre beaucoup sur ce qui se trame à l'intérieur de la mystérieuse planète rouge, et peut-être aussi sur la formation des planètes telluriques. Voilà, tout va toujours bien du côté de l'étage Centaure et on arrive tout doucement à remonter du côté de la Chine pour arriver dans la dernière phase de ce lancement. Merci à Marc Chaussidon d'être présent. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris, et vous êtes aussi ingénieur géologue. Et je voulais savoir comment vous aviez perçu tout ce travail vers cet instrument avec vos scientifiques, et puis comment vous vivez tout cela avec un grand laboratoire de Paris. C'est un moment important. Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une anecdote. C'était Philippe Léonionnet, que vous avez vu hier, a fait un cadeau à ses collègues du JPL. Et ce cadeau, c'est on a décidé de sortir de nos inventaires pour fêter le coup, disons, pour marquer le coup, un enregistrement sismique fait à l'Institut de physique de Paris sur notre campus de Saint-Maur où InSight a été construit, testé, qui date d'il y a un siècle, donc du 5 mai 1918, donc, parce que les sismomètres de l'Institut de physique du globe fonctionnaient pendant la guerre de 14-18. Et donc, c'est un jour où il ne s'est rien passé. Donc l'enregistrement est plat, c'est une feuille de carton noircie au noir de fumée sur laquelle un stylet... inscrivait les mouvements, et donc ça a été encadré, ça a été donné hier comme un... Alors ça montre
disons, l'historique un peu de la sismologie à l'IPG. Et ça explique en partie, évidemment, ce n'est pas tout à fait le même type d'instrument qui va être envoyé sur Mars, mais ça explique en partie quand même l'expérience acquise qui permet d'aller vers ce genre de choses. Allez-vous débaptiser un peu l'Institut physique du globe pour l'Institut physique des globes? Ah non, non, pas encore. Non. Non, mais effectivement, le but, comme il a été dit, c'est d'arriver à faire le premier modèle de la structure interne de Mars, comme on a aujourd'hui un modèle de la structure interne de la Terre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas, et de vivre ça avec, entre autres, les visiteurs de la Cité de l'Espace, tous les ingénieurs scientifiques qui ont pu être ici à Toulouse avec nous. Et on va espérer que tout se termine bien pour l'injection martienne. On est avec Philippe Collot en ligne, qui est à Vandenberg, qui est dans la salle presse, et on voulait avoir un peu d'ambiance de Vandenberg actuellement. Bonjour Philippe, comment va l'ambiance et je te laisse avec Philippe Laudet, on a été heureux de voir ce décollage, je te laisse avec Philippe Laudet pour échanger un tout petit peu à propos de cette ambiance. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour. Alors comment ça s'est passé le décollage? Est-ce que vous avez vécu ça, vous avez pu observer le lanceur longtemps ou pas? Alors c'est effectivement la première question qui vient à l'esprit et malheureusement la réponse est sans appel. Vu le brouillard qui régnait à Vandenberg, nous n'avons pas vu la fusée décoller, bien moins que vous avez pu voir grâce à NASA TV. Par contre, on a eu le son du lanceur, mais c'était une atmosphère assez étrange d'être sur ce site d'observation. Et j'ai pu vérifier que c'était le cas aussi des autres sites d'observation. Moi, j'étais aussi avec les journalistes. Et donc, on était dans le brouillard, mais avec une ambiance assez étrange. On est en pleine nuit, les gens sont fatigués puisqu'on a passé la nuit blanche. Voilà. Heureusement, nous avons pu assister au retour qui était un événement assez extraordinaire. Nous étions très proches du lanceur à ce moment-là. D'accord, mais je pense que rien que le son et se dire qu'on est sur place, c'est quelque chose d'impressionnant quand même. Oui, absolument. Alors, il y avait une tension dramatique liée aussi à la force d'image, on va dire. Et il y avait une centaine de journalistes présents sur ce site d'observation. Nous avions des journalistes, bien sûr, beaucoup de journalistes américains, de la presse française, de la presse allemande, de la presse suisse. Et voilà, il y avait une partie des médias qui étaient des médias d'image. Et nous avons une pensée pour eux, parce qu'ils reviennent bredouilles. Mais pour tous ceux qui voulaient vivre intensément et en live cet événement, évidemment... Il restera cette empreinte, comme tu le dis, cette empreinte sonore qui a marqué ce décollage parfait. Oui, mais on est aussi avec Marc Chaussidon ici, qui est de l'IPGP. On est avec plein d'invités qui nous ont décrit finalement ce que c'est que cet instrument. Alors, comment se passe l'ambiance par rapport à la suite? Parce que malgré tout, tout va bien. Maintenant, il faut que les tâches Centaure refonctionnent bien. Comment ça se passe de ce côté-là? L'ambiance est bonne? Ils sont sereins? Alors, là, nous avons quitté le site d'observation. Nous avons rejoint le centre de presse qui est localisé à Lombok, qui est donc à une petite demi-heure de Vandenberg. Et nous sommes donc dans ce centre de presse où arrivent progressivement les invités, les personnalités. On a eu, bien sûr, M. Le Gall, on a Franck Poirier qui vient d'arriver. Nous avons des spécialistes aussi qui viennent progressivement rejoindre les journalistes qui sont là pour les interviewer, leur demander quelques impressions après le décollage. C'est donc de là que vous allez vivre le réallumage du moteur et l'injection définitive vers Mars. Voilà, absolument. Là, nous sommes, on va dire, dans des conditions bien meilleures parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais peut-être d'autres invités vous en ont témoigné, il faisait très froid à l'extérieur cette nuit à Vandenberg. Donc, des conditions assez difficiles entre la nuit blanche et le froid et l'humidité ambiante. Et donc là, nous sommes maintenant dans une zone de confort, on va dire, avec des moyens... moderne, de Wi-Fi, du téléphone, et bien sûr NASA TV, et là on est à égal niveau d'information avec vous désormais. Vous êtes dans une zone d'habitabilité. Merci. Oui. Voilà. Comme on pourrait la définir. Merci beaucoup Philippe, nous allons passer maintenant, merci beaucoup, et on suit bien la suite, et j'espère que vous passerez un bon moment avec un succès. On passe à... Et nous pensons bien à vous ainsi qu'aux internautes qui nous suivent ce soir sur ce programme.
Tout à fait, effectivement, de nombreux, on nous dit que de nombreux internautes suivent et en plus les réseaux sociaux sont très actifs et on est heureux que l'espace intéresse autant et cette science de l'exploration martienne. Laurent Kerjean est en ligne, je crois. Oui, je suis là, je vous entends bien. Oui, bonjour Laurent, c'est Philippe. Alors je dois préciser pour ceux qui ne le savent pas, Laurent est le responsable système de l'instrument et actuellement, il est à Vandenberg, mais il est en train de préparer avec toute l'équipe les opérations, puisque l'atterrissage se profile, et c'était un gros travail. Donc Laurent est à la manœuvre là-dessus, et il est allé voir le tir. Comment ça s'est passé avec tous les collègues qui étaient autour de toi ? Ça s'est très bien passé. C'est un dernier retour avec Céco, on s'est tous retrouvés en fait, devant un hôtel... Nous partions tous les buts pour aller sur la base de lancement, enfin, c'est l'air qui était prévu. Et donc, de là, on était bien installé. Malheureusement, il y avait un brouillard qui était bien installé aussi. Donc, il y avait des écrans aussi qui permettaient de suivre les opérations de lancement, les explications de la mission. On a entendu le lancement, je vais dire, parce que comme l'avait dit notre intervenant précédent, le brouillard empêchait de voir grand-chose. Par contre, le son d'un lanceur est toujours quelque chose d'impressionnant à entendre et à ressentir. D'accord. Et là, vous avez quitté le site, vous rejoignez une zone un petit peu moins fraîche, nous a-t-on expliqué, un petit peu plus confortable? Alors, donc, effectivement, donc, on est resté sur le site jusqu'à l'extinction du premier allumage du mode étage Centaur. D'accord. Et donc, dès que l'étage était... C'était éteint, en fait, nous a demandé de rejoindre nos bus. Il y avait quand même une trentaine de bus qui étaient affrétés. Et donc, on a retrouvé. Donc, actuellement, on est dans le bus en train de revenir vers notre base arrière à Duelton. D'accord. Et c'est de là que vous vivrez l'allumage du second étage et l'injection définitive vers Mars, j'imagine. Tout à fait. Donc, on est un peu frustré, justement, de ne pas rester sur place pour vivre cet événement, qui est la dernière étape fondamentale pour réussir ce lancement. Et donc, on va le suivre depuis Duelton. Ok, écoute, je te charge d'envoyer de la part de tous les collègues qui sont ici et leurs familles et leurs amis le bonjour à toute l'équipe qui est là-bas. Voilà. Merci. D'accord, je transmettrai. Merci infiniment, merci à vous et bonne suite. Bonne suite, on reste. On peut les applaudir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. De leur liaison, ils sont frigorifiés, mais vivants et certainement très heureux d'avoir vécu cela là-bas. D'ailleurs, nous, on voulait vraiment aussi vous remercier, les remercier et vous remercier tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, sur les sites web et sur la toile. On nous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde pour suivre ces moments importants et ces explications autour d'une mission qui mérite vraiment qu'on s'y attache et qu'on s'y intéresse beaucoup. J'espère qu'elle sera réussie. En attendant, il faut qu'elle parte vers Mars, cette fois définitivement, maintenant qu'elle a été en orbite. Et nous allons suivre dans quelques minutes les éléments qui correspondront à l'allumage de cet étage Centaure qui permettra je ne sais plus, mais je pense que c'est dans les 6 minutes à peine. Hein, je crois non, qu'il faut... c'est un peu plus que ça. Un peu plus, attends, je vais vérifier. Et peu importe, enfin, c'est pas plus. Non, mais c'est pas long, parce qu'ensuite, il y a la séquence de séparation qui dure assez longtemps. Donc, on avait prévu à peu près une vingtaine de minutes, disons, sur la partie okay. Chaude. Et je pense qu'on est plutôt dans les 6 minutes, mais on va voir, on va le vivre en direct. Et puis, on est maintenant donc à 5 minutes de cet événement important. Comment ça se passe? On n'en a pas parlé, on aura le temps d'en reparler lors de la phase peut-être de croisière, lors d'événements, de conférences ou d'informations. Par contre, vous avez l'atterrissage, bien sûr, qui doit se passer. Ensuite, comment ça se passe, l'atterrissage? On peut rassurer ceux qui nous regardent, c'est qu'il y aura des caméras. Ça, j'espère qu'on verra avec la NASA. On ne sait jamais trop à quel moment ils ouvrent les caméras, mais on espère pouvoir à l'atterrissage et voir tout de suite, comme avec Curiosity, une image au moins du sol et qui montre l'impact et l'endroit où il s'est posé. En tout cas, combien de temps mettez-vous à déployer l'instrument? Alors, on se pose le 26. Dès le 27, ils allument le lander, ils déploient les panneaux solaires, ils vérifient que tout va bien au niveau de l'atterrisseur. Et ensuite, pendant plusieurs jours, c'est une dizaine de jours, hein, ils vont observer autour de l'atterrisseur pour regarder la zone de déploiement.
Alors cette zone, elle est connue, elle a été modélisée, elle a une sorte elle a une forme d'une sorte de banane du côté où le bras a accès. Et avec les images prises, on va inventorier les cailloux, les aspérités. Nous avons des groupes de scientifiques auxquels participent ceux de l'IPGP notamment, mais de l'ISAE également. David Mimoun et son équipe ont été très actifs sur ces aspects-là avec les Américains. On va choisir les sites de déploiement. Il faut quelque chose avec un sol plutôt dur et surtout le plus plat possible et pas de cailloux pour le sismomètre. Pour HP Cube qui va être déployé après, il faut quelque chose de plutôt meuble. Donc c'est assez contradictoire. Et ils vont se mettre d'accord, et là on rebouclera tous ensemble, sur le choix final. Ça, au bout de 10 jours, on va être d'accord sur l'endroit où on doit déployer le sismomètre. Et le 10 décembre, on commence à déployer le bras et le sismomètre. Et ensuite, on mettra sa protection. Et on pense avoir terminé le déploiement le 4 janvier 2019. Hein. Donc du 10 décembre au 4 janvier, tous les jours, on surveille l'avancement du déploiement du sismomètre. Et heureusement, dans toute cette grande période, on a 2 jours de congé, le 25 décembre et le 1er janvier, mais pas plus. Voilà. Oui, l'heure martienne, c'est l'heure martienne. Hein. On a choisi de travailler sur une mission martienne. D'ailleurs, pour info, le Centaure actuellement, on me dit qu'il est orienté. La NASA dit qu'il est bien orienté. Il s'est mis en situation d'allumage moteur, même si on n'y est pas encore. Hein. Mais tout va bien. Une chose concernant justement, alors pour les deux, pour terminer cette phase-là avant qu'on passe aux phases opérationnelles, les centres de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un centre de contrôle SISMOC, après le FIMOC, pour Curiosity, le SISMOC, il reçoit les données et puis il les distribue. Et voilà. L'IPGP a un rôle. Une fois qu'on les a mis en forme, on les distribue à l'IPGP. Et l'IPG ensuite a un centre de données qui les distribue dans le monde entier, comme les données des observatoires géoscopes sismologiques mondiaux qu'on a. Donc ces données doivent être validées, mises en forme pour être distribuées ensuite à toute la communauté. Enfin, il y a un certain temps réservé pour les PI et les COI qui sont pour CIS. En tout cas, il y a un centre opérationnel à Toulouse et ensuite des centres de scientifiques qui se placent dans les laboratoires. Absolument. D'accord. Voilà. Merci en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Et nous allons continuer maintenant sur la phase opérationnelle de cet si important moment qui consiste à faire en sorte qu'InSight, maintenant, d'une orbite basse qui ne sert vraiment à rien pour lui, passe à une orbite d'injection martienne, où il va passer de 28 000 km/h. Là, actuellement, l'altitude était tout à l'heure 289 km. Là, on doit être à peu près dans les mêmes eaux. Donc, on est vraiment très proche de la Terre. Hein. Si jamais, par exemple, il n'y avait pas d'allumage, eh bien, ça dure quelques jours à quelques semaines, hein, maximum, puisque l'atmosphère est encore présente. Hein. La station spatiale, pour info, par exemple, est à deux fois plus haut. Là, hein. Et si elle était à cette distance-là, elle descendrait de plusieurs kilomètres par jour. Et donc ici, on a vous voyez des orientations, vous avez des petits moteurs, des petits réacteurs qui permettent de créer des pressions, notamment les pressions, je suppose, hein, que avant d'allumer, voilà, vous voyez, ça permet de créer une pression pour que les ergols collent bien, finalement, par l'accélération dans le fond des réservoirs et non pas se baladent un peu partout, puisque, voilà, vous voyez ici qu'a priori, en tout cas pour le moment, il y a une animation qui montre que le Centaure commence à s'allumer. Ce sont des moments évidemment importants parce que c'est toujours une technologie complexe, hein, même si ça marche très bien, hein, en général. Et on a on est à peu près au-dessus de la Chine, là, on arrive vers l'Alaska, enfin tout à l'heure sur l'Alaska. Oui, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre de tracé. Allumage confirmé et pleine pression. Bon, ça c'est très important. Ce que vous voyez, la ligne jaune que vous voyez, c'est la projection au sol de ce que fait le lanceur en altitude. Donc, la Terre étant ronde et la carte étant déployée. On peut mettre un petit peu d'ambiance, d'ailleurs, commentaire NASA, si on veut. On a l'ignition de la seconde stage. 1 minute 19 seconds in the flight. Les body rates look very good for start transient. Tank pressures are being increased. Donc là, on réaccélère le composite pour lui donner sa phase d'extraction. Tous les paramètres sont nominaux, nous dit-on. Alors, c'est une phase. On devrait avoir une extinction vers 14h29, donc dans 4 minutes. Donc c'était à peu près un allumage de 5-6 minutes. Oui.
Mais on passe tout de même de 27 000 km/h, donc je l'ai dit 28 000, à plus de 40 000, hein, de plus de. RCS thermal conditioning firings underway. Donc vous voyez les panneaux solaires, là on les voit beaucoup mieux, les panneaux solaires du système qui va permettre de faire vivre en quelque sorte l'engin jusqu'à Mars. Et une particularité d'ailleurs par rapport à ce que vous aviez vu, alors je ne sais pas si on aura des images même, hein, il est possible. Voilà. Une particularité, c'est qu'il est pas, il va pas tourner, il va être stabilisé trois axes, c'est-à-dire il est en quelque sorte auto-équilibré, il saute avec des petits moteurs, des petits jets, mais c'est pas quelque chose qui va être spiné tout le long de la croisière, parce que là, d'habitude, pour stabiliser, c'est quelquefois une technique. Pour la croisière, il est stabilisé trois axes, effectivement. Et les panneaux solaires qui sont là étaient déployés, donc comme je l'ai dit, sous la coiffe, ça évite d'avoir à les déployer. Donc pour l'instant, le Centaure fonctionne tout à fait dans les normes, donc c'est essentiel. Là, il y a une poussée. Alors évidemment, vous ne la sentez pas là, parce qu'avec avec l'image, on ne sent pas la poussée. Mais il n'empêche que ça pousse bien. Ça pousse très bien parce qu'il va falloir gagner rien moins que 13 000 km/h en l'espace de 5 minutes. Donc si vous étiez à la place de d'Insight, vous seriez collé dans votre siège. Il faut passer approximativement de 7 km par seconde à 11. Quoi. On a plus de 11 et quelques. Et donc là, évidemment, c'est très intelligent. C'est-à-dire qu'il y a toute une manière automatique de calculer l'accélération de manière à être certain que InSight soit injecté sur la très, très bonne orbite. Il ne faut absolument pas qu'il y ait une grosse différence, puisque après, il y a des corrections de trajectoire, mais enfin, elles sont très, très limitées. Là, on est sur quelque chose d'essentiel quand même. Et donc l'étage a un rôle à jouer essentiel pour, en fonction des circonstances, aller un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. C'est tout en automatique, là, hein, le calcul. Oui, tout est piloté par le logiciel de bord. Ils ont dépassé les 32 000 km/h. Carlton, chamber pressures, lax pump discharge and fuel venturi, all very good. MR controlling right at nominal. Là, vous avez tous compris, very good. Donc, j'ai une petite pensée émue pour le sismomètre qui est en train de subir cette accélération. Non, mais il est bloqué. Non, c'est vraiment un moment important. Ensuite, on aura la séparation d'Insight et ensuite, on aura la séparation des deux Marco qui vont l'accompagner. Est-ce que je n'ai pas trouvé l'information, est-ce que les Marco sont un petit peu corrigés en orbite quand ils vont partir ou est-ce qu'ils sont non corrigés? Parce que Insight faisant des corrections de trajectoire, est-ce que les Marco vont le faire aussi? Je ne sais pas. Bon. Plutôt que de dire une bêtise, j'ai pas vu d'informations là-dessus non plus. Je sais pas trop, parce que ce sont des nanosats, hein, donc des équipements très petits, qui sont peut-être une part de l'avenir de l'exploration planétaire. Hein. Et ils ont des petits panneaux solaires à déployer. Donc en principe, ils sont mis en orbite, en injectés vers Mars, de manière à louper Mars, en fait, légèrement. Et il y a des toutes petites corrections d'orbite, me dit-on. Très légères. Donc on va pas être loin d'une vitesse maintenant. Vous voyez l'apogée qui monte beaucoup très vite. On va nous dire si on a des vitesses, mais on va arriver bientôt à l'extinction du moteur. Et si tout s'est bien passé, je crois qu'Insight. Alors pour que la partie Insight, il faut savoir que les deux satellites Marco sont indépendants de la mission. Hein, la mission InSight peut très bien fonctionner s'il y avait un souci du côté des petits satellites. Par contre, maintenant, l'essentiel, c'est que ça se sépare. Une fois que le moteur va être éteint, on est sur la bonne trajectoire. La dernière phase critique, c'est la séparation. Ils viennent de couper le Centaure et c'est certainement une très grande réussite qu'on va vous confirmer très rapidement. We have Miko. And confirmation of main engine cutoff 2. We now begin a 9-minute coast phase. Ils sont en train de préparer. Spacecraft separation. Ils sont en train de préparer la séparation. Vous voyez que là aussi, il y a des petits réacteurs qui permettent de maîtriser la légère accélération encore, puisque maintenant, ça y est, il est en apesanteur d'une certaine manière, hein, puisque à part ces petits réacteurs qui donnent des accélérations à l'étage,
Maintenant, on est vraiment à une vitesse qui doit être dépassée les 40 000 km/h et qui est véritablement celle qui permet d'aller vers Mars. Oui. Ils attendent d'être au bon endroit, le bon instant. 40 233 km/h. There's a 9-minute coast between the Vico 2 and the InSight spacecraft separation. Donc maintenant, je pense qu'on pourra de toute manière applaudir. Still reorienting the spacecraft separation attitude at this point. Il y a des orientations. Là, il y a une orientation qui est faite, une orientation de l'étage qui permet d'injecter InSight dans l'attitude et la direction voulue. Et je ne sais pas si on aura une image, on va regarder, n'hésitez pas à voir. Si vous voyez tout d'un coup une image en réel, mais je ne sais pas si on va la voir. Vous avez une orientation du Centaure et on va pas tarder certainement à voir la séparation. Et ensuite, la séparation assez rapide, vous verrez le Centaure qui se retourne et vous verrez des séparations rapides des Marco, des petits satellites qui sont du côté du moteur, de l'autre côté. Donc attention. We now have the Miko 2 plus 3 seconds open. Once again, the pre-flight predictions compared to actual show a very good agreement and an excellent orbit achieved at Miko 2. Nous avons une excellente position et une excellente, disons, rapport concernant la propulsion du Centaure. Donc, tout va bien. Ça, c'est très, très important parce que c'est les conditions initiales pour le voyage vers Mars qui déterminent aussi les corrections ultérieures pendant la croisière. Alors, on a la chance d'avoir quand même des vues en synthèse qui nous permettent d'une façon très proche de la réalité puisque ce sont souvent les télémétries qui permettent de faire fonctionner l'animation. En général, c'est ça, effectivement. Et donc, la télémétrie, c'est tous les éléments radio et d'information, les données qui sont remontées vers les satellites géostationnaires, redescendues au sol, interprétées, et qui permettent de voir ces animations qui ont quelquefois tout petit peu de retard, et puis avec Internet, un peu de retard par rapport à ce qu'on entend quelquefois dire de la NASA, mais ça, c'est une question de secondes. Donc, vous voyez que... Donc vous voyez que apparemment on a terminé la mise en position de cet étage, qui est tout vide maintenant, ou presque, il ne doit pas être tout à fait vide parce que on a gardé de là. Centaure has begun to ramp from a 50% duty cycle to a 10% duty cycle. Les responsables de ULAL, United Space Alliance, qui est la société, un petit peu comme on a chez nous Ariane Espace ou Ariane Group, eh bien, indique qu'on est pile dans la cible. Separation. And I'm joined right now by Bruce Bannard of NASA's Jet Propulsion Laboratory. And Bruce, can you tell me a little bit about the InSight mission and what your role is with this? Well, I'm the principal investigator of the mission. I'm sort of in charge of the overall success, the scientific success of the mission. And so I have to kind of oversee all the different aspects of it making sure that it's going to do On nous confirme que le Centaure est actuellement dans la très bonne position pour larguer, se séparer d'InSight. J'espère que vous avez noté la cravate de Bruce Banner. To go to Mars to look beneath the surface and make the first map of the inside of Mars. We're going to delineate the thickness voyez, of the crust, the size of the l'Alaska core, the internal composition, and use those measurements to inform our models of planetary formation, planetary differentiation, and how the planets, the rocky planets, start out, and perhaps understand how. Why some planets take a path that becomes a habitable planet like the Earth, and others take a path that becomes not habitable, like say Venus or Mars. So we're going to learn about by studying Mars, we can also learn about our own home planet. That's exactly what we're trying to do. Yes. And so, how long does it take for the spacecraft to get to the surface of Mars? Donc on est à très peu de moments de la séparation. Donc on aura
quelques secondes entre la séparation d'InSight et ensuite les séparations de Marco A et Marco B, qui sont ces deux satellites qui vont accompagner finalement InSight et surtout servir, au-delà de certaines expériences scientifiques, servir de relais de communication au moment d'atterrissage le 26 novembre 21h. Nous sommes en get the instruments to deploy. They're bolted to the top of the spacecraft, and we want to get them down on the ground. Our main instruments, a seismometer and a heat flow probe, and those both need to be on the ground in order to do their job. And so we have a whole process in placing them on the ground and getting them ready to go. And once they're operating, we intend to nous sommes donc à quelques instants de la séparation que nous attendons évidemment en cette séparation là. Est-ce que ici pour les le groupe du CNES, il n'y a pas encore de travail à faire, puisque le travail commencera beaucoup plus tard. Il y a les rallumages au mois de juillet et août dont j'ai parlé, et c'est tout. Pour l'instant, nous, on se prépare déjà aux opérations. Même à l'atterrissage, on ne fait rien. Par contre, dès qu'on est posé, on est sollicité. D'accord. Bon, on sait que la NASA a une grande expertise, effectivement, des posées sur Mars. Donc, on peut espérer que tout ça se passe très bien. Mais en tout cas, on a vécu un lancement finalement à l'heure avec une fenêtre de tir qui était très très longue. Et on a eu la chance que ce soit bon pour aujourd'hui. On est à 2 minutes de la séparation maintenant, donc bientôt, InSight sera dans son cocon libre vers Mars pour un petit voyage de 1 milliard de kilomètres. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Bruce Banner, depuis tout à l'heure, explique ce que c'est que InSight et comment ça fonctionne et pourquoi on met un sismomètre et pourquoi on ne connaît pas bien Mars, tout ce dont vous avez déjà entendu parler. Ça doit être à peu près la 300e fois qu'il est obligé d'expliquer ça. En même temps, c'était son objectif. Oui, mais on voit bien qu'on a quand même une très grande adhésion du public, même à des questions qui sont scientifiques ou qui sont en tout cas techniques et scientifiques, mais qui adhèrent à une, comme le disait Sylvestre Maurice, à une science qui avance, à des réponses auxquelles qu'on arrive à donner, même si on n'a pas toutes les réponses. Il y a autant de questions, elles amènent énormément de questions, évidemment. Enfin, tout de même, il parlait de l'habitabilité sur Mars, c'était quand même vraiment nouveau, quoi. Je confirme, j'ai été témoin moi-même de cet engouement du public américain pour ces explorations. Et il faut dire que la NASA sait très très bien communiquer avec son public. Ils sont sans arrêt en train de faire des grands programmes d'éducation. Et des grands problèmes de communication. Je pense que justement, on a réussi avec Curiosity, Philae, avec beaucoup de choses sur l'observation de la Terre aussi, sur beaucoup d'éléments pour lesquels le CNES est très investi aussi, hein, la recherche pour le climat, etc. Je pense qu'on a vraiment quelque chose d'extraordinaire avec cet enthousiasme quand on peut l'avoir pour la science, pour la technique, pour l'exploration, pour la curiosité, et évidemment pour le plaisir et pour le rêve, parce qu'il y a une part de rêve là-dedans, hein, évidemment. Attention. Alors, on est à deux doigts de confirmer. Voilà, la séparation est confirmée. On va sans doute nous le dire très rapidement à la NASA, mais la séparation est confirmée, donc on attend l'annonce. Voilà, Space Vehicle Separation. On peut applaudir vraiment. Voilà, c'est vraiment extraordinaire de. On reconnaît Tom Hoffman en bas à droite et Keyur Patel à sa gauche, qui sont nos collègues. Le premier Marco vient d'être éjecté. On attend. Voilà. Il a été éjecté de cette manière il y a quelques secondes et le Centaure maintenant va tourner à 180 degrés pour libérer le deuxième dans une direction opposée. Vous avez là une vue comme si vous étiez sur le moteur et vous voyez l'étage vers le haut. On voit les étoiles qui bougent, hein, l'orientation. Oui. Il y a une navigation aux étoiles, hein. Enfin, elle doit être inertielle. Enfin, il y a un certain nombre de moyens de navigation dont les étoiles sont toujours. Voilà, on va arriver. À 180 degrés de rotation. Séparation Marco B, je peux vous le dire, est déjà réussie, mais vous voyez, il y a un tout petit retard. Ah, tu l'as entendu ? Oui.
Non, je ne l'ai pas entendu, on me le dit. Bah, je le sais parce qu'on a un spécialiste, Olivier Sanguy, qui est en permanence en train de checker tout ça et qui a des infos voilà qui sont légèrement... Voilà, le deuxième. Et donc, ces deux Marco en plus sont défaits. Alors, on peut encore applaudir pour ces deux nanosats. Ce sont les premiers qui partent. C'est le début de l'exploration planétaire avec des nanosats. C'est certainement pas terminé. Alors, du côté de United Launch Alliance et non pas Space, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit être content parce que là, du coup, on a fait le boulot. Par contre, maintenant, du côté de la NASA et du JPL, l'important maintenant, c'est d'avoir le contact avec les engins. Voilà, le composite InSight va communiquer avec des antennes qui sont sur Terre. Et d'ailleurs, on voit, voilà, le monsieur qui dit bonjour, là, c'est Tom Hoffman et Kayur Patel du JPL, donc le chef de projet InSight et le directeur adjoint, je crois, de JPL. Si vous êtes étonné, JPL, si vous êtes étonné, pardon, travaillé. Ils doivent attendre encore, je pense. Voilà, on a des militaires parce qu'on est sur une base aérienne, une base aérienne militaire. Vandenberg était une base aérienne militaire du... We can get a live view inside NASA's Jet Propulsion Laboratory. Donc, normalement, je crois qu'on peut entendre... We now have the InSight separation open. Non. And as all the other opens were, the actuals are very... close to the pre-flight predictions and excellent orbit for the InSight spacecraft. Donc tout le monde se congratule évidemment du côté du with that, this completes the plus count commentary for du côté the des scientifiques. AV78 on va attendre le contact avec InSight. Le contact avec InSight peut arriver alors entre maintenant et 14 minutes donc mais enfin en principe elle devrait être plutôt plus rapide. Et donc, c'est ce qui permet évidemment ensuite d'avoir le contact avec l'engin. Normalement, les panneaux solaires sont déployés, il n'y a pas de souci. Il suffit juste que l'ensemble du système, qui a vécu un traumatisme important, hein, quand on part dans l'espace comme ça, c'est vraiment des vibrations, on peut casser des choses. Alors, tout a été testé avant. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et on a vu que les dernières sondes... En plus, on est sur une technologie qui s'est déjà posée sur Mars, hein, avec Phoenix... Oui. Il y a quelques années. Et qui en 2008, la mission Phoenix s'est posée au pôle de Mars. Ils ont vécu une saison parce qu'il y a des conditions très dures là-bas. C'est donc exactement le même atterrisseur, à part les instruments qui sont sur le plateau qui ont changé pour la mission InSight. Mais cet atterrissage-là a déjà fonctionné. Hein. Alors en même temps, ce n'est pas de la routine, c'est juste la deuxième fois. Hein, donc. En attendant, évidemment, vous aurez toutes les informations avant qu'on ne clôt cette... c'est ce programme. En attendant, si on a des nouvelles côté de la NASA à propos de la transmission avec InSight, quelles sont les informations qu'on peut passer sur le programme qui suit? On est sur une transmission avec InSight. C'est le JPL qui le contrôle avec la NASA. JPL pilote, hein, avec leur réseau de stations. Ils ont quelque chose qu'ils appellent le DSN, le Deep Space Network. Donc c'est le réseau de l'espace profond, ils ont des antennes partout sur la surface du globe, de façon à, quelle que soit la direction des sondes qu'ils ont envoyées, ils reçoivent en permanence des nouvelles. Donc ça, c'est très intéressant pour eux. Enfin, ils ont un savoir-faire là-dessus qui est très intéressant pour nous. Et c'est avec, je pense, une des premières antennes du DSN qu'ils attendent la réception des données du composite. Je pense que le risque est très minime, mais il faut quand même finir le travail complètement. En tout cas, là, on est face forcément à, disons, un très grand succès de lancement, de toute manière. Cette information-là sera évidemment cruciale. On va l'avoir soit dans quelques minutes, soit on arrêtera pour la passer, parce qu'il y a les réseaux sociaux qui permettent d'avoir l'information, évidemment. Vous en entendrez parler, parce que les médias vont parler du succès, j'espère, là, du lancement. Voici le replay du lancement que ceux qui étaient là-bas n'ont pas vu. Talk to the whole team. I want to start by thanking everybody who's worked on this for such a long period of time. I know this isn't something that you put together on. Liftoff of the Atlas V, launching the first interplanetary mission from the West Coast. And NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars.
continues to look good at this point in the mission. Injector pressures, pump speeds, expected regions, mixture ratio, controlling within expected parameters. The RD-180 engine providing 860,000 pounds of thrust. Vehicle body rates continue to look good. All booster systems look nominal at this point. Mach 1. Eh bien, the rocket is now traveling fast. Que vous avez passé un bon moment. Moi, je voudrais quand même, pour terminer ce programme, vous dire que nous n'avons pas encore la liaison avec InSight, mais que ça ne saurait tarder. Et en tout cas, on vous tient au courant par l'ensemble des moyens qui nous permettent de le faire, notamment ici à la Cité de l'Espace, les réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup à tous les internautes qui ont fait des likes, qui ont tweeté, qui ont suivi, qui ont associé activement leur intérêt à ce programme. Merci beaucoup aussi eh bien, à toutes les équipes qui ont permis de suivre cela en direct. Merci beaucoup au CNES d'avoir été présent ici, parce que même si c'est un échange, il n'empêche que c'est vraiment très très bien de pouvoir le vivre ensemble. Merci Philippe d'avoir été co-animateur et d'avoir pu être là. C'est vrai que tu n'avais rien à faire aujourd'hui que vivre ça, mais c'était quand même chouette et merci beaucoup. Merci au nom de tous ceux qui sont pas des spécialistes des ingénieurs. Merci pour avoir ce beau boulot avec les Américains, avec le CNES, etc. Un très beau boulot, on espère. Loin s'en faut. Merci. Et on peut peut-être applaudir finalement à travers Philippe toutes les équipes du CNES et en espérant que bien sûr, toutes les nouvelles seront toujours bonnes jusqu'à l'atterrissage. Oui, on attend ça, mais enfin, c'est franchement le risque minime. Et bien sûr, on l'attend le 26 novembre, 21h, a priori. C'est un grand rendez-vous qui sera celui de... Alors là, c'est à la seconde près. On aura ces 7 minutes qui descendent sur Mars. Merci beaucoup à tous. Au 26 novembre, et en attendant, on suit ce qui se passe avec InSight dans sa longue croisière de 7 mois vers Mars. Merci à tous. Merci à tous. Pour ceux qui peuvent... Oui, oui, j'ai besoin. Allô, 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 je n'ai pas de... Tu peux remettre le son 3 secondes pour une annonce. Oui, mais je n'ai pas de micro.